Et bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour le groupe expert sur le circuit de la France. Et pour m'accompagner, ce soir je serai accompagné de Koro. Comment ça va Koro? Salut Kiki, bah écoute, ça va, hein. Toujours prêt, hein, on est partant, on va On regarder t'a l'expert. repris sur le fil, t'étais près de la près de la J'étais près de la voiture à sortie. partir. Et là, c'est voilà, je devais commenter les calls et Roll est dans le dur là actuellement là. Est en train de perdre sa voix, le petit Ah père. ouais, il est dans le dur dur dur, donc voilà, on a dû switcher au dernier moment. Donc merci à toi T'inquiète, de pas de soucis. m'accompagner. Pas de soucis, avec plaisir. Et on se retrouve avec le groupe expert ce soir, voilà. Beaucoup moins d'absents ce soir. 4 absents. Du coup, on a qui comme William, remplaçant? On a Steelwood, Assassin. Lucas et Nigra qui sont absents. Donc on a voilà Assassin qui est là. On a GRR The Claw. The C'était Cloud. Hydra la semaine dernière. Je le La semaine dernière, c'était rappelle. Hydra? Voilà, c'est voilà, il a changé de Ah, ok, PSV, d'accord. c'était prévu à la base, mais voilà. Il y a ça, il y a Max Pod également qui est bien remplaçant Oh oui. exceptionnellement. Et Pedro la rafale qui est dans le coin, voilà. Oui, qui est chez Ferrari, exact. Voilà. Exactement. Donc pour l'instant, on a du beau temps. Assassin pur sur fond de gris, oui, effectivement, voilà. On va faire un petit point vocal aussi. Au niveau du son, si tout est pas mal. Cette fois-ci, ma voix est activée, Francky, là c'est sûr. Ah oui, je me rappelle. Je jouais Ça rappelle des Deathstreamer. souvenirs. Oh bah, il y en a eu plein, hein. Oh, j'en ai eu tellement. Alors, qui sort. Allumer le Twitch pour voir ça quand même, un petit peu. Un peu calme au début de cette Q1. On reprend le format normal après la reprise Oui. sous un format sprint. On Exactement, en retrouve la Espagne. qualif complète. Voilà. C'était pour nous Hop dire la là. météo. Hein. Je sais pas si. Ouais. Si on l'a sur le live ou pas. J'essaye de lancer le Twitch, tu vois, sur ma tablette pour voir s'il y a des commentaires par rapport à ça. Plein. Baisser le son. Voilà, vu qu'il n'y a pas grand monde en piste, à mon avis, ça va être du beau temps. De toute façon, moi, ils sont que 3. Ouais, c'est vrai. Par contre, on a les Fatim Summer qui est en hard. Ah. Et en piste en plus. Alors, Oui. soit il a une grosse confiance. Confiance fois 1000, on la reconnaît celle-là. Ah ouais. J'ai enlevé les pneus, ça tient pas. Prendre la place. Faut jouer au niveau du son avec les moteurs plus fin de course normalement. Bon, ça c'est beau. Là. Ça c'est Ah. beau. Faites pas trop de safety les gars, hein. Conseil. Ouais. J'ai vu le son des voitures avec les voix au cas où. Du coup, je pose une question bête, mais il a pris mélange dur du coup, enfin Team Summer pour Oui. avoir des hards en qualif. Oui, il a pris le déjà. Je vais juste baisser vite fait le son, ça me paraît un peu fort. Rétro audio. Voilà, c'est mieux. On devrait être mieux. Ouais. Alors, Summer. Après, c'est Fabilou, je crois qu'il doit être derrière. Ou c'est large en Oui, même c'est temps. Fabibou qui est juste Ouh! derrière. Ça glisse, Ah bah. chef! Il va faire un tour sur ses hards, un tour sur les médiums, un tour sur les softs ou. Ouais, je pense, ouais. Non, mais peut-être qu'il fait juste un tour sur les hards pour avoir un delta au pire à la Ouais, il a rigueur, mais. chauffé un peu, voilà. Il peut économiser peut-être un train de gomme soft.
ça glisse beaucoup, hein. Pff, oh, vache. Ouais. Et clairement. Ah, tu me diras, avec l'un, il peut enchaîner 3 tours derrière. Hein. Mmh. T'es peinard, hein. F1 ouais. Team Summer qui a gagné Espagne, si je me trompe pas, du coup. Oui. Une 31-9, okay. Hugo qui arrive derrière. Une 31-4. Une 31-4, hein. Voilà. Oui, c'est vrai, il a gagné la course principale en Espagne. Ok. Donc sur ses 3 derniers GP, il a fait 2 victoires, c'est ça? Une en Hongrie, pas en Hongrie, une en Qatar et une en... Oui, voilà, c'est ça. Et une en Espagne, du coup, ok. Voilà. Qui va arriver Peut-être Ligia Dissur, ça doit être un tour. Ouais, Ligia Dissur qui termine son tour. Ah, il a coupé. Ouh, c'est moche. Je vois le tout circuit en rouge. Ouais, on va voir Johan derrière. 52-3 secteur 2. Il y a Che qui a lancé, Arsenal également. Ouais, je suis sûr, Emmerich. Ouais. Oh, c'est dur. C'était dur pour Johan trouver la 50. Corde. 50.7 pour Arsenal. Ah oui. ...33.9 pour Joanne, il est en médium, j'avais pas fait gaffe. Qui on a, je dis c'est coupé. Ouh, ça a pas coupé pour Arsenal, alors qu'il est sorti bien large, ouais. Voilà, c'est la fin de son tour. Et 31.3 pour Arsenal. Ouais, c'est joli. C'est pas mal, ouais. Pour un retour, ça se qui a été absent. Effectivement, que tu as absent en Hongrie, en Espagne, il a fait une pause d'un mois, du coup. Ouais, ça a dû être long, mais il est... Un gros mois. Ouais. Pour ça, la première place, c'est parce qu'il a les dents qui rayent le parquet. Ah ouais, c'est ça. Je dis que sûr. 30.8. Ah, il est un deuxième tour. On a Falcao qui est... Falcao ah bah, il a coupé. Et bah, je vais retourner sur Tirchovy. Dans le secteur 3, pilote McLaren. Ah. Et DJ qui a quitté la session. Ah. C'est dommage, il était en tour en plus. Johan qui termine son tour avec ses médiums. On a eu un petit changement cette semaine aussi. Hein. On a eu le départ de CS4 remplacé par un RSGTG. Hein. Okay. Il est devenu titulaire cette semaine. Et Choubi 3ème, 31-4. Avec des pneus médiums, du coup. Oui. Effectivement. Allez, qui on en est? Pedro Larrafal qui est lancé. Bougez pas. On a les frères. Les frères. 31-1. Le grand frère qui a passé derrière le petit frère. Exactement. Mister Jacques, il y a du monde là-dedans. Hein. Oui, Mister Jack a failli partir à la faute. Ah ouais. À la fin, ouais. Il a dû perdre pas mal de temps sur. T'es en train, ouais, je pense. Ouais. On avait fait un team d'Adoy qui est en train de terminer le secteur 2 avec sa Mercedes. Allez, 50 pour 8 en médium, mais beaucoup de médium. Hein. Ouais. On va mettre un petit peu les pneus pour voir. Ah ouais, c'est. Un joli florilège là. C'est bien coloré. Ah ouais, bon c'est... le hard, on se demande ce qu'il fait là en qualif, mais pourquoi pas, c'est peut-être... Il a peut-être voulu tester le nouveau format qu'ils ont fait en F1, tu sais, la Q1 en hard, la Q2 en médium, et... il a décidé de lancer le concept. Il est encore en... Ah, il est encore en hard. Il a et bah Dadoy, Dadoy 3ème temps. Voilà. Ouais. Ah, Pedro Larrafal. 31-0. Trashco qui va le lancer.
Switchy. On a Johan qui va passer à une drive avec ses médiums du coup en 1.39.0. Wow. Ça doit relancer, oui, parce que son ERS ouais, ça est relance, à fond. Hein, ouais. Ouais. Sprint G qui est en tout lancé. On va aller sur Switchy. Oh, ça, oh, Switchy la spin. Trop ce gars dans son test chicken. On va passer sur le Sprint. 50.8 secteur 2. Ouais. On va pas sur le bleu, ça pas trop, dit. Ouais, ouais, j'allais dire, va pas trop le moteur quand même. Je l'ai vu sur le côté gauche, j'ai entendu la même, la voiture, tu... Ah ouais, fait, c'est oh là, drôle. Il est passé en mode tracteur. C'est grave. Oh non. Mais je te dis, si tu nous entends, va pas sur la bordure bleue, sur la gauche, pas, voilà, sur le secteur 2, parce que sinon, tu perds du temps. La corde, allez, ouais. C'est là que tu reconnais ceux qui ont roulé cette semaine ou pas, tu sais. Ouais, clairement. Ouais. Sprint 31-0 quand même. C'est bon. Oh, il y a Trashco qui arrive également. Ouais. Je sais pas si c'est d'autres. Non, c'est Falco qui va lancer, je crois. Deuxième du championnat, Trashco. Oui. 30.9. Deuxième temps. Oh oui, en médium en plus. Ouais, propre, joli tour. C'est beau ça. Béro qui a lancé, Falcao qui a lancé justement, ouais. Alcide dans le secteur 3. On a Max Pod aussi dans le secteur 3 qui va terminer bientôt. Juste devant, ouais. Alors on va suivre vite fait Max Pod. Après on va switcher sur Alcide. Pilote élite, hein, Max Pod. Ouais. Il vient là pour dépanner. S'entraîner aussi. Aussi, ouais, ça permet d'entraîner un petit peu, en détente. Ouais. Voilà. Voilà. Allez, deuxième temps. Deuxième temps, 30.9, il y a le signe qui arrive. Également médium. 31-0. C'est serré, hein. Il y a beaucoup de 30.9, 31-0. Et on a Béro sur son Alpine qui va terminer aussi. Secteur 3. Qui arrive, allez. Donc ça a un peu bloqué les roues là. Ça a tiré un peu là, ouais. Ouais. Ça rentrait trop tôt, il a relâché, il s'est rééclaté, ouais. Il a dû perdre un peu de temps là. 30.5, oh, ouais. Enfin, il fait quand même la peau là. Oh, oh. Bon. Allez, Falcao qui arrive également derrière. Et la corde, voilà. On fait une 2, 11ème chrono. 2, ouais. Alors, on a les deux premiers en soft. Les deux de derrière en medium. En soft, ouais, il y a tout. Salut Dadoy, salut Béro, salut les gars, ouais. Je viens de regarder salut. Les commentaires. Ouais. Les commentaires. En train de me dire, bah, Béro, il est en train de rouler. Non, ouais, non, c'est parce que je viens de mettre le chat. Je me suis dit que j'avais pas le chat. On a Switchy en tour de sortie. Ouais, Alcine, ça, ouais, ça rentre, bien sûr. Oh, je trouve ça bizarre. Sinon, ça va rentrer. Oh, bon, c'est fini. Hein. Il va savoir sortir. Ouais. Oh, ouais. Si ça ressort, faut pas perdre trop de temps. Ouais. Il reste Switchy, Gérard The Cloud et Jake. Il a pas rejoint, Jake, par contre. Est-ce qu'il a rejoint? J'en ai aucune idée. Est-ce que tu peux le réinviter au pire. Ouais. Je regarde ici, je l'ai dans. Non, j'ai pas envie de faire ça. Attends, tu le reprends dans le groupe. Tout le monde, tu l'as pas hein. Non, mais attends, je vais faire simple, je vais faire recherche d'amis carrément. Ouais. En espérant que tu t'acceptes, je sais pas si. RSGT, c'est ça. Oui. Oh, il y en a beaucoup. Ça a bientôt lancé pour Switchy. C'est parti pour Switchy. Arsenal également a lancé le jeu devant. Ah, c'est coupé, hein. Ah, je l'ai trouvé.
Vous êtes l'invité. En espérant qu'il revienne à temps. Parce qu'il reste pas beaucoup de temps, c'est compliqué. Hein. Mm. 22-6, secteur 1 pour Switchy. Shubi qui a relancé également. J'ai pas vu s'il était gros. T'es plus de courant, ça arrive des fois. Ouais, c'est possible, surtout avec la météo qu'on a, c'est dans l'état. Ouais, en plus, ouais. Ouais, il est en ligne pourtant. Bon, ça se trouve, il est là, mais je sais pas, il est là. Bah, il a pas le jeu, alors. Il a pas être là. Je peux regarder sur le Discord pour voir s'il y a pas de message. Je vais demander. Ouais, ça va finir pour Switchy. Arsenal est rentré au stand. Switchy. 30.5 pour Switchy. Bah voilà pourquoi il est pas sorti dès le début. Ouais. Il était confiant. C'est dit one shot, c'est bon, je maîtrise. Voilà, peinard. Il n'y a plus de roquet en hein. De devant tout, oh, ça glisse. Ouais. Je la connais ce garage là, comme ça. Danse. Bah, Chovy 30.3, on l'a pas vu. Il est arrivé comme ça, tapis dans l'ombre. Mmh. Ça on connaît, ça tapis dans l'ombre. On a Johan qui a une amélioration d'une seconde dans le secteur. Bah non, c'est pas possible dans le secteur 1. Il l'a pas encore passé. Ouais. Non, ouais, par contre, il en avance de 3 dixièmes cette fois-ci. Ah oui. Attention à pas être gêné. Ah, mais ça va donner la spi, ça. Non ? Ah, alors là, c'est mieux quand c'est la Mercedes qui se décale et pas le pilote qui est en train de faire son tour. Mais c'est bien parce que c'est Johan qui subit ça. Normalement, c'est Johan qui fait une spi comme ça, donc c'est bizarre. Et Pedro, 30.5, 4ème. Et j'ai vu un Fabibou sauvage à bord quitter la station. Là, il y a Jess sur le chat qui dit que sa Play 4 est en train de mourir. Ah, ouais, bah, faut passer à la 5. Quand c'est comme ça. Exactement. Allez. Alcim qui est en tour de sortie. Remax qui est en tour lancé. Qui vient de lancer. Summer également. En médium, ah bah voilà. Là, bah tu vois. Ah, il va doucement, il passe de hard à médium, et s'il peut, après il part en soft. Il s'est peut-être dit 15ème, ça va être tendu. Surtout que là, Johan, à mon avis, ça va améliorer. Et ouais, il sera Johan pour faire son tour. 31-0. 9ème, voilà. Ouais. Ouais, on a Revax. Oula, il est parti au sommet, il est en retard. Oula, ouais, Revax a coupé. Ça a manqué la chicane. Dado qui a relancé, hein, le leader est. Il est pas serein là. Non. Alors on a Emric aussi en tour, Arsenal. Oh, Summer ça coupe. Ça boxe pour Summer qui va se retrouver éliminé en Q1. Ah ouais. Ah ouais, la surprise. Il a dû se rater. Et bah, ah ouais. Il a voulu jouer avec les hard, il a perdu. Exactement. C'est dur. Et Arsenal en amélioration, mais de toute façon il va passer. Oui, il va passer, c'est sûr, c'est fait. Il peut même rentrer au box s'il veut. Ouais, il peut rentrer au box, ouais, tranquillement. Parce que Fabibou, assassin, c'est Dado, il y en a avant du 4-10ème, il peut rentrer aussi. Bah, tous les pilotes peuvent rentrer là. Il y en a un qui veut se rassurer. Mais... Ouais. Pedro La Rafale qui rentre au box, c'est bon, il a vu que ça passait. Puis la Delite qui était en stress là pour cette Q1, on a bien vu. Ouais, de ouf. Il a fait le tour lancé, on l'a remarqué. Hein. Ça va finir son tour pour Dadoï. Oh, Alcine, deuxième, 30.3. Et ben voilà. Et 29-8 pour Dadoï. Voilà, il s'est énervé, ouais. Il a mis les sauts. Mais... Terminé, bonsoir. Le leader du championnat, il a voulu montrer que voilà. Voilà. Dès la Q1. Je suis présent, les gars. N'oubliez pas. Ouais, c'est ça.
quand il est pec. Ah, Jake, il nous dit qu'il a même pas pu mettre de réglage en plus. Ah bah, impeccable. Bah pourtant, il était dehors tout à l'heure. Ouais, bizarre. Non mais ça se trouve, il a lancé son tour et il a oublié de choisir son setup. Hein. Ah, peut-être. Pas. C'est, ah, oui, c'est bizarre, mais... Après, il dit que le jeu... Je sais pas. Il dit que ça vient peut-être d'un bug du jeu, mais... Summer qui dit qu'il a oublié de mettre le RS pour son tour rapide. Ah, ah oui. Alors forcément, ça va moins vite, oui. Ah oui, ça va beaucoup moins vite, oui. Confirme. Il a dû voir son Delta dans le rouge, il fait merde, ah ouais. C'est bizarre, j'ai mis les médiums, mais j'avais les hors pas. T'imagines, tu termines ta qualif, tu fais eh, mais les hard ils marchent vraiment bien sur le circuit parce que j'ai fait un meilleur chrono qu'avec mes médiums. Alors, et voilà. On a DJ qui met pas le setup, Summer qui met pas le RS, bah ils ont les gars. Bon, on a que deux pilotes qui passent en médium, hein. Max Pod et Trashco, du coup. Ah oui. Ouais. Sinon, tout le reste, c'est en soft. C'est moins coloré, ouais. Moins coloré que tout à l'heure. Hein. Ouais, bizarre, ouais. Ah si, ça garde les réglages, c'est bon, alors. Ah bah oui. Ah oui, si t'as mis ton setup avant, c'est bon. Ah oui, parce que t'es là, je l'ai vu dehors, donc logiquement, s'il est dehors, c'est qu'il a mis son setup avant. Ouais, donc normalement, il reprend sa voiture et... Ouais, voilà. Et son setup est déjà là, quoi. Ouais. Après, ouais, t'auras même des pneus neufs parce que là, du coup, il a pas fait un tour lancé. Ouais. T'es peinard. Bon, si tu veux une strat, tu sais, tu peux faire soft. Ah, un petit médium quand même pour avoir un médium pour les derniers tours. Hein. remarque, il pleut en fin de course, donc je vais pas rester en soft. T'as même pas besoin. Ouais. T'as besoin de t'arrêter. Tu peux faire soft ou tout long, c'est même trajectoire. Demande à Pedro, il a réussi à le faire. J'avoue. Sur les hard, ça marchait bien, mais. Ah ouais. Dingue. On fait les pneus. Et donc, voilà. Le Q2. Oh, t'aimes bien, J. Pas de mal. On est joueurs, nous aussi. Ah, j'ai vu une Ferrari sortir. Oui. Ouais, une Ferrari, donc soit Lija, soit Pedro. C'est Pedro. Oh. Ah, il y a une Aston Martin. Oh, bah, il y a deux Aston derrière aussi. Il y a pitié d'un pauvre sim racer sans setup. Oh, bah, quand même, le pauvre, ça va. Hein. Avec le gros PC à côté, bah, c'est ce que j'allais dire. On la connaît, il a quand même un PC, le pauvre à côté. Hein. On peut nous la faire. Pedro Alcine rêve avec Falcao B au Arsenal. Sans dehors, ça chauffe les pneus de Pedro. Ouais. À l'ancienne. Il bug le RS ou le DRS ou quoi? Ou c'est moi? Ouais, il s'amuse peut-être, hein. Ça se trouve il nous entend, tu sais, sur le live et puis il fait. Ah ouais, ça se trouve, ouais, il dit coucou. Ah ouais. Ah ouais, ça va être ça, ouais, c'est bizarre. Et pourquoi ça fait des flashs comme ça? Ah voilà, le frein, voilà. Hop, on va remettre la télémétrie. Jay, il aura passé plus de temps sur le chat que sur la piste. Oh ouais, elle est ouf. Ah ben là, ouais. Oh le pauvre, pour sa première titularisation dans la saison. C'est clair, c'est un cadeau de bienvenue ça. Ah ouais, sacré qualif. Allez, c'est parti pour Pedro. Pedro, voilà, c'est parti. D'ailleurs, ça va être pour les deux Aston, je crois. Arsenal. Suivi d'Alcine, voilà. Bah écoute, je vais me mettre sur Alcine si tu veux. Ouais, ouais. On va marquer Emric. Oula. 22-5. Emric, il va être en 22-5 aussi. Donc, Alcine, il va être 22-6. En 22-6. Ah. Plus usé. Possible, ouais. Ouais.
secteur 2, 50.5, Orsenal. 50.5. Ah ouais, ça va finir millième ça. Ouais. 50.8. Ouais, donc je pense qu'il va le signer en pneu. Ouais, ouais, c'est un tour de reconnaissance là pour le signer. Là, c'est se faire une marque. Ouais. Et la corne, voilà. Salut Bastien. Salut. Alors, est-ce que le directeur va battre son pilote? 30.8 pour Pedro. 8. Arsenal. 30.6. C'est gros ça. Et ouais. Le troisième secteur. 31. Ouais. On a qui derrière qui arrive? On a une Alpine, il me semble. Béro, une 38. Béro, 30.8. Voilà. Et on en est où derrière? La As de Falcao qui arrive. 32-2. Oh, le très usé là. Ouais. On a Max Pod aussi derrière avec sa Williams. Voilà. Et derrière ça va être Sprint G, non? Oui, Sprint G arrive aussi. C'est ça. Il y a une voiture, il y a une Red Bull entre les deux. Ah oui, je l'ai pas vu. C'est Jack. Ouais, c'est Jack. C'est Jack. Une 30.4. Et le Sprint G est là. 31-2. C'est plus dispersé là. Ah, déjà dit, j'ai 30.4. Il nous a échappé. Choum choum qui arrive. 30.6. Ah, on a fait Tadoy du coup. Ah non, qui est dans son tour lui, pardon. Ouais, Trashko qui arrive. Par contre, c'est Trashko, ouais. Voilà. Tadoy qui lance son la Switchy quand on sait également. Alors, combien? 30.1. Ah oui. Avec des pneus soft 9, enfin avec des pneus 9 du coup. Bah peut-être ouais. Mais qu'il a fait ça à Q1 en médium. Ah bah oui. Ouais, forcément. C'est logique. Il a des pneus plus frais. Switchy s'est coupé. Suite d'Adoy. Bon, secteur 1, 22, j'ai pas vu. T'as Falca. Non, Falca où il va rentrer je pense au box. Une belle aspi pour la Mercedes. On s'est écarté. Oh là là, mais... C'est dingue ça, mais faut s'écarter quand on donne la slip, putain. Ah oui, c'est pas le pilote quand on lançait qui va s'écarter normalement, bordel, merde. Oh là. Tout doit apprendre, 50.5 pour Tadoy. Secteur 3. On a Revax quand on lance aussi. Ouais, Tadoy qui termine. Ouais, je suis dessus. Ce qui va répondre à Trashko. Johan qui va lancer derrière. Sixième temps. 30.6. Avec des pneus déjà utilisés, hein, je pense. Ouais, je pense, ouais. 50.9 pour rien avec secteur 2. Ouh, c'était dur. Ouais, ouais, ça a eu du, ça a eu du mal à tourner. Ah, il y a de la vitesse de pointe, je pense, sur la Williams, ouais, hein, mais c'est comme en vrai, là. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est vitesse, ça. C'est très réglage 5, ça. Ah ouais. Joanne s'est coupé, bordel. Bah oui, ça va mal, pas de la tu dois sortir. Et t'es obligé de sortir de la piste, tu vas faire ton coupé. Oh bordel. Oh les fous. Ma crise 29 qui dit allez Tadoy. Ah, il supporte le leader du championnat. Il a combien de points d'avance d'ailleurs, le pilote Mercedes? On va aller voir. Petite ça. Vingtaine, il me semble. Quelque chose comme ça. Il y a un Team Summer qui nous dit je vous déconseille les hard en qualification sur le Discord. Ah bon? on avait remarqué. Belle astuce. Mes parents se la donner avant la qualif, normalement. C'est mieux que. Mais après, ça va, il est gentil, il fait quand même le test. Il fait quand même le test pour les autres. Ouais, voilà.
Il en faut un. On va un testeur. Allez, Johan, ça va relancer. Il n'y a pas de RS. Pourquoi il n'a pas coupé son RS, Johan? Qui s'est la branlé? Bah, il a dû oublier. Il lance avec 19% de RS, c'est compliqué. Ouais, mais là, ça va être compliqué, Johan. Allez, Johan, là, on se remet dedans. Là. Et bonjour, Johan. 20 points d'écart qu'il y a entre. Ouais. Voilà. 20 points tout rond. Ça va se prendre une victoire, donc. Tout est jouable encore. Oui, il reste encore pas mal de GP, donc. Ouais, en plus, il reste encore une sprint entre deux. Ouais, en plus. Il y a un Las Vegas qui a bientôt aussi. Oui. Il peut y avoir une surprise là à Las Vegas, non? Oh oui. En tout cas, Johan, je sais pas si tu nous entends, mais moi je te conseille de rentrer au box et de pas te tarder ton tour et de remettre des pneus. Deux secteur 2, ça, ouais, c'est très dur. Et là, il n'y a plus de RR, donc le moteur. Il n'y a plus rien. Il y a plus rien dans le sac. Oula. Il met là. Là, il a trop ralenti, du coup, bah oui. Du coup, ça tourne trop tôt. Aïe, t'inquiète, Johan, t'as le temps, t'auras encore un essai. Ah ouais, tranquille. Oh, il m'a fait peur. J'ai en tournant ce qu'il y avait. Oh, sprint G22-4, secteur 1, 3 dixièmes d'avance. Ah, joli. Ça s'énerve. Ouais. Libéro, 50.2, secteur 2, 1 dixième et demi d'avance. Pedro. 2 dixièmes d'avance, 3 dixièmes d'avance. 3 dixièmes, ah ouais. Ah, ça améliore là. Ça met le pneu neuf là. Ah oui. Et du coup, on va aller sur le bureau qui est devant là. C'est propre ça. Oh, le petit tout droit encore. Aïe aïe aïe. Il a du mal à choper la corde. Allez, pousse. 30.2, troisième. C'est pas mal. Ouais, c'est joli. C'était Pedro après qui arrive. Ouais, Pedro. 30.0. Joli. Esprit G. Esprit. 30.4. Septième temps, ça va être juste peut-être. Ouais. Il fait exactement le même chrono que Mr. Jack. Mais vu que Mr. Jack l'a fait en premier. Ah oui. Il est devant. Ouais, il est devant. Exactement, ouais. Allez, Switchy, c'est lancé. Switchy va-t-il nous refaire le coup de la Q1? Ah ouais, le one shot. Le one shot, ouais, exactement. Oula, c'était pas loin. 22.5. Mr. Jack est ressorti, Falcao, Arsenal. Ouais, ça va, dernière tentative. Oula, ça hésite un peu, c'est un peu hésitant là. Ouais, avec les drapeaux jeunes, j'arrive pas à savoir combien de temps il reste. Allez. 3 minutes. Ah, ah oui. C'est furtif, hein, c'est vraiment ouais, juste c'est pour ah, faut avoir l'œil, hein, parce que sinon. Ouais. Faut être prêt. On appelle ça un drapeau jaune qui autant. Ah clairement oui. On pourrait croire que c'est les feux du départ, tu sais, quand ils s'allument et ils s'éteignent. Allez, dernière accélération pour Switchy, c'est maintenant. Ça va être chaud chaud. Tentative derrière. Cinquième, 30.3. Ouais. Ouais, c'est ça pas peut mal. Passer. On a Jack qui a lancé, Switchy qui rentre. Ouais, bah, il y a Mr. Jack. Hein. Ouais. 22-2, 3 millième d'avance. Il a fait un bon petite amélioration. Ouais. Oui, puis il a quand même le 7ème temps, ça va. Et... Ouais, ça va encore. Ouais, je pense que le premier tour, il doit être quand même pas mal. Ouais. On a Isaltar qui nous dit aussi allez d'Adoy. Salut à toi Isaltar, bonsoir. Bonsoir.
50.0, 3 dixièmes d'avance pour Mr. Jack. Ouais. Ah, 50.0, je sais pas si on l'a vu encore. Non, je crois pas, ça me parle pas en tout cas. Ouais, non plus. Mais ça vise la pole pour l'instant. Ouais. Bon, la première place de la Q2. Oui, oui, oui. La pole de la Q2. C'est ça. Ah oh non, ah non, ah non, il y aura pas de. Il y aura rien du tout. Ah, ah. Là, faut juste aller au bout. Ouais, je pense qu'il a perdu trop de temps. C'est mort, hein. C'est plié. Ça, c'est dommage. Il était sur un beau tour depuis la très bulle. Ah ouais. Qui a fait sa première victoire cette saison. Oui, c'est vrai. Bon, pour 43 millième de porteur. En Hongrie, du coup. Oui, c'est vrai. En Hongrie, ouais. Marche au en tour de sortie, Alcine aussi. Spritz a lancé 2 dixièmes d'avance. Arsenal. Je ne sais pas s'il y en avance ou pas. Ouais, Spritz du coup. Dadois un petit peu en retard. Choumi ça lance. Revax s'est lancé 2 dixièmes d'avance. Falcao. Non, qui va lancer. Allez, Arsenal qui est dans la dernière ligne droite. Ouais, Arsenal, voilà. Petite amélioration, ça pourrait suffire. Allez, ouais, un petit peu. 30.5. Un dixième. Ah, c'est pas que ça soit court. Ouais, Sprint J, 30.2. Il est arrivé derrière, lancé. Les deux Alpines côte à côte. Et Revax, on a Dadoy. Dixième, 30.6. Oh, ça va être très très juste ça. Dadoy en danger. Hein. Il a pas beaucoup d'amélioration, il me semble. Il y a son coéquipier derrière, Johan, qui est collé. 7ème sang. 7ème 30.4 et Johan 31.3. Ça va pas passer pour Johan. 14ème. Ouh, on a Falcao qui est en amélioration de 4 dixièmes. Mais bon, pour l'instant, ça le laisserait toujours en 15ème position. Oui. On a Alcine, puis Aston Martin. 50.9, 4 dixièmes d'avance toujours. À être juste encore. Alcine dans secteur 3. Il y a Choumi aussi avant. Exact. Alors Chemi va se replacer. Deuxième temps. 0. Allez Alcine. Alcine va meilleur temps. 29.9. Et bah voilà. 29.9, le premier à descendre sous la barre des 30. Attention Falcao. Falcao. Allez. Qui push. 14ème temps. 14ème, 31-0. Ça améliore d'une seconde, mais c'est pas suffisant. Ouais. Il en manquait. Ah, Mister Jack, du coup, qui passe pas. Hein. Ouais. Mister Jack, 11ème. Il va s'en vouloir de la glissade. Ah ouais. Elle a coûté cher, celle-là. Ah ouais, il était passé. Bon gros temps. Ah ouais, large. Ouais. Bon, il était sur un 30.1, 30.0, je pense, facile. Ouais, donc, je pense, ouais. Il va se mordre les doigts. Juste. Dixième. Ouais, pour 7 millième. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Heureusement que Jack il a pas amélioré finalement. Ah ouais. Ouais, donc Johan, Falcao, Revax, Arsenal et Mr. Jack, c'est terminé pour eux. Chaque fois que j'ai l'affichage, à chaque fois qu'il y a l'affichage, comme ça, tu vois, et ben... j'ai tout le temps envie d'appuyer sur quoi. Ah ouais, bah ouais. Puis bah t'es directeur de course, du coup, je sais plus quoi faire. Après. Ouais, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que je fous là-dedans? Tu regardes les secteurs de chaque pilote et tu dis, ah, c'était pas mal en fait. Ah oui, là, c'est nul, ah oui, là, c'est pas bien. Ça, là, c'est pas bien. Allez, passons à cette Q3. Ouais. Cette fois-ci, on parlera vraiment de pole position là. Voilà, c'est maintenant. Ça sera pas la pole de la Q2 là.
Là, c'est maintenant. Ouais. Toujours du sec pour la calife. Dazo, il m'a dit Normalement. qu'il a eu chaud. Ah oui. Ouais, petite montée en température. Petite trace dans le début. Exactement, on la connaît la trace de frein. Ah, leader du championnat qui a pas l'air serein du coup. Non, ouais, il est un peu fébrile là. Ouais. Déjà la semaine dernière en Espagne aussi, je crois, dans les souvenirs. Ouais, il y a un petit moment de doute. Ouais. Et ouais, attention à pas se voir trop beau, trop merveilleux. Ça marche pas. C'est parti pour Béraud, le premier en piste de Trashco qui le précède. Ou qui le suit plutôt. Qu'est-ce qu'ils en prennent soin de leurs pneus en tour de sortie? Voilà, c'est beau. Tout sauf moi, hein, Il clairement. est bichonne. Non, ouais. Moi, je suis genre allez-y en tour de sortie, hein. À fond, fond, fond. À fond, à fond, à fond. Ah ouais. Ah mais c'est chaud, hein. Il brûle, hein. Tu poses plus la main dessus. Ah ouais, non, mais en vrai, j'ai besoin de ça. Ce que je me dis, tu sais, c'est quand t'es trop lent comme ça. Ben, j'ai genre, c'est au moment que je vais être en tour rapide, j'ai l'impression de plus connaître mon Ah repère. Enfin, oui. Ouais, bah ouais, après, ouais. Je sais pas. C'est bon. ouais, c'est une sensation, soit je suis juste fou Ouais, aussi, hein, c'est peut-être. ça. Bon, tout aussi, oui, bah, ça c'est probable aussi, hein. On va pas se mentir. Les deux marchent. Ouais, les deux combinés, ça fait un truc bizarre, hein, de toute façon. Ah, exactement. Il va falloir que j'aille consulter. Bah ouais. Il y a moyen. Allez, Béro. Le boss. Allez, c'est maintenant. On lâche les chevaux. On va péter la minute 28 maintenant. Ouais. Faut y aller quand même, hein, la 28. Oh oui. Moi j'avais même pas alors, c'est pénard. Je n'ai pas encore eu cette semaine non plus, je te Ah rassure. oui. J'ai à peine eu le 29 de là, c'est pas mal. J'étais rentré aperçu. Tu le gardes pour dimanche, c'est pour ça. Ouais, je le laisse au chaud là, je le laisse mûrir. Il est encore un peu trop vert là. Ou Bureau qui profite de Ouais, l'aspi de la petit aspi. fée. Ah ouais, Ouais. gratuit. Oh, Ah, ça c'est voilà. gentil. Ça c'est Oh une belle là là. inspiration, c'est pas la Oh même là écurie, au moins ça se là, décale. exactement. Voilà. Ah ouais. Oh, le Pedro, il a été gentil sur ça, Oh hein. là là là. Il cherche un Serviteur. baquet pour la saison prochaine, Ah lui, ouais, ça on reconnaît ça. hein. On reconnaît ça, ça se mèche doux, ça se reconnaît. Ah, clairement, ouais. Bon, tout ça, j'ai même pas vu les secteurs. Ouais, bah moi non plus. On rigole, on rigole. Alors... Ça roule devant nous, mais c'est tout. Allez. Dernier Allez, virage. le Béro. Ah, voilà la corde, voilà. C'est Là, il le gardait pour parti. la Q3, le coquin. Ouais, pareil, il a gagné au chaud. Une 30.3. 30.3. Trashco qui arrive derrière. Trashco, Il y a qui? C'est Dadoï, je pense, derrière. Aston Martin derrière. Ah oui. Trashco, la pole, Alcine. 30.8, Alcine. 33.1. 30.8, Dadoï. Ouh, 30.8. Ah oui. Petit peu en retrait. Pedro qui lance. Max Pot qui Ouais, arrive. Max Pot qui arrive. Après, c'est Luxure. Et Choumi. Neuf.
prends les pecs, les adductions, 29-8. Fuite. Shumi. 30.6. Spridge. Spridge, 30.3. Oh, ouais. Tu l'as switch baby. Ah! Qui a décidé de faire deux tours cette fois-ci. 30.6. Je... Il a une rangée de pneus, le switch il laisse tomber. Ah là. Ouais, 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 là, t'en crois pas, je t'ai dit. Hein. T'as les pneus du premier run et les pneus du deuxième run. Ouais. Oui. Clairement. Alors, le Pedrolito. Dernier à faire avec une son, marque. Avec son casque. Max Verstappen. Hey. Édition du Japon, je crois, celle-là d'ailleurs, non? Ouais, ça va être ça. Ouf. Je sais plus lesquels sont lesquels. Ouais. De toute façon, ils sortent que des casques de Max, alors. Max et Leclerc. Oui, c'est vrai. Et un peu Sainz. Un petit coup Sainz. Voilà, ouais. Et par contre, celui-là était gratos, on l'a eu comme ça. On vous le donne. Et deuxième, 29-9. Les Ferrari en pôle. Ouais, là. Oui. Elle se montre. C'est Dixon qui a fait un bon tour quand même, à 29-8. Ouais, 29-8, c'est pas mal. C'est un premier tour en Q3, c'est pas mal. Hein. Ça a travaillé le circuit, ça. Ouais. Il y a des chances. Ça a dû s'entraîner, ça. Sinon, c'est le talent, mais... Il n'y a plus de gazoule dans la Ferrari, apparemment. Non, ça rentre au ralenti. Bon, ça va, il a le temps, il a 5 minutes. Ouais, là ça va être un petit moment creux. Mmh. Ça rentre. Qu'est-ce qu'on a? Allez hop, voilà, tout le monde au stand. À moins qu'il y ait une McLaren qui ressorte. Ah, merci Choubi. Ok, brave. Le pilote suisse. Ouais. 9e. Un millième d'amélioration, il gagne une place. Aïe. Mmh. Là, il y a plusieurs groupes. Il y a le point 9, on va dire, en dessous de la 30. Il y a les points. Il y a 2.1, il y a les points 3 et les points 6. Ah oui. 1.8. Et le point 8. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est bien rangé. Hein. Ouais. On fait ça bien. Pose sur le chat si jamais vous nous entendez. C'est le moment de dire si votre top 3 quoi. Hein. Bastien, si jamais t'es là, je sais que t'aimes bien faire ça. Ouais, c'est maintenant. Toi, ouais. Tu vois qui toi, Kiki? Ah, je sais pas. T'as dit que sûr, elle a l'air solide. Ouais, elle a l'air rapide, pilote Ferrari. Je miserais sinon sur Alcide au pire. Ouais. T'as dit que sur Alcide. Et. Ouais, peut-être trash coup après. Ouais, on va faire un petit truc différent. On va faire. Allez.
On va essayer de trouver une petite surprise. Allez, on va dire... Alcine en pôle, Lisa en 2 et en 3, allez... le Sprint G, allez, on y croit. Ah ouais, c'est pas bête, hein, parce que le Sprint G, des fois, on sort une épaule... Ouais, bah le Qatar, la dernière fois. Voilà, le Qatar... le gars, il vient en mode découverte, il tape la pôle, si tu vois le nom. C'est limite, c'est une demi-heure avant, il m'en est pas en setup. Il arrive, il te regarde, il fait s'entraîner, pourquoi? Ah ouais, c'est clair. Entraînement, c'est pour les faibles. Ah ouais. Aberrant. Allez, Chubby Sector 2, 50 pour une, 2 dixièmes d'avance. Ouais, ça fait que passer que 8ème pour l'instant. Ouais. On va voir si c'est réellement loupé encore. Dans le secteur 3. Ouais. Il s'arrête un peu la corde, là, c'est large. Ouais. Là aussi. D'accord, aussi. Attention à pas trop monter mieux. Là non plus. Voilà. Ouais, c'est mieux. L'escalade. Là, ça monte un peu trop et du coup, ouais, ça le sort de sa trajectoire. Il va perdre du temps là-dessus. Travers pour les droites, impeccable. Ah bah il coupe. Ouais. Ah carrément. Allez, il a su que c'était fini. Ouais, mais il a tout perdu dans le dernier virage, c'est sûr. Ouais, bah de toute façon, ouais. Le sprint, je vais la couper. Le switch 6, c'est un tour de sortie. Ouais, tu peux enlever le sprint du coup, on te. Ah non, switch, ma surprise. Ah là, la tout dit qu'en 2 secondes, hein, crac. Et puis là. J'ai mis la pression, s'il a entendu, c'est ça. Ouais. C'est de ma faute. Ah, c'est ça, Véro qui arrive sur la ligne. 29 deuxième chrono, ben voilà. C'était le patron. Ah, c'est peut-être la mauvaise alpine que t'as joué. Exactement. Je voulais une voiture bleue. Dans le top 3. Il y a une Ferrari qui arrive, Jalixir qui va lancer. Ouais, Pedro aussi qui va lancer. Qui va lancer. Max Pot qui a coupé. Alcine qui t'en lance. 3 dixièmes d'avance, secteur 1, 22-1. Pas mal ça. Ah, c'est Jay qui essaye d'améliorer. Oh, on a Datoy, deuxième temps. Ah oui. Ah, il nous a échappé le coquin. J'étais sur qui? Switchy. New Switchy est là. Il est dans secteur 2, il va le terminer bientôt. Trashko, 7ème. 7ème seulement. Il a coupé. Oulala. 6 dixièmes d'avance pour Switchy. Oh bah, et le sprint qui respin. Il a fait. Il a. Ouh, yoï, yoï. Il a sprint G, il y a une Ferrari qui passe à son 1, c'est Pedro. Ouh. Les deux ont dû serrer les fesses. Ah oui, je vais bien faire ça là, il a sprint. Je sais plus où aller par contre là. Delixir qui est là, 21ème d'avance. Le Switchy qui va terminer son tour, qui est en potentiellement point 0. Ah oui, le Switchy est là, voilà. Ouais. Allez, focuser. Dernière ligne droite. C'est peut-être lui la surprise du top 3. Aïe. Oh oui, 29-5. Eh ben oui. Oh joli. Allez, joli Switchy. En plus, il s'est renommé quand même, hein. C'est fini, Nick Alex. Hein. Voilà, poubelle ça, voilà. Tu vois, t'as vu avec ton vrai blaze là ce que tu fais, hein. Ah, ça pousse là, 29-7 pour la lecture. Ouais, c'est fait chipper la pôle, mais ouais, mais pas suffisant. Alcine, troisième. 29-7, qui on a, Sprint le G, Pedro. Pedro, deuxième. 29-6. Datoy, c'est terminé, fini. Béro, ça rentre, voilà, c'est terminé. Eh ben, elle était là, la surprise. Ah, dis donc, c'est Sprint, le Switchy. Eh ouais, Switchy's back. Il va faire 7 ans. Oh ouais. Oh, il s'est caché pendant deux sessions, là, la Q1 et la Q2. Tranquille, il était tapé. Mais je comprends pourquoi il faisait des one-shot. En fait, il gardait tout pour la fin. Ah ouais. Ah ouais, tout gardé. Ah ouais, Switchy, tu vois, ça marche mieux quand t'as ce pseudo là, hein, parce que ton Lee Luke Alex, déjà c'est imprononçable, hein, et en plus t'avances pas. Je lui envoie une petite pique parce que la dernière fois il s'est pas gêné quand c'était moi qui étais au volant. Ah oui, tu m'étonnes. Et bah voilà le top 10 en tout cas, hein. Switchy, Pedro, Lisa,
Alcine, voilà. Dadoy, Bero, Maxpot, Trashco, le deuxième championnat qui s'est loupé. Spritji, Kasprij. Un peu loin, ouais. Et Shumi. Un peu loin le Trashco, c'est dommage. Ouais. C'est compliqué après pour remonter hein, quand. Ouais, faut 8ème, généralement c'est jamais le bon wagon, tu vois. Quand ouais, c'est ça, ouais. 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 Faut faire prendre son temps, mais faire un bon départ, ça peut être pas mal, mais pas sans prendre de risques, quoi. Ouais. Y'a Shumi qui nous dit de la merde, ma Q3. Ah bon? Dommage. Dommage, dommage, mais oui. C'est quoi le drapeau de Spritji? Bah, je sais pas. Spritji, c'est Vietnamien, je crois. Ah, ok. C'est Hanoï, tu sais, il a bien aimé le circuit d'Hanoï. Le... Oh, bah, ouais. Ça doit être le seul. Ouais. Hop, oh. Attends, je reviens juste 2 secondes. Oui. Et Switchy en pole. Pedro 2ème, Jadixur 3ème, Alcine 4ème, Dadoy 5ème, Bero 6ème et Maxpot 7ème. Parti pour la course. Mais mmh. Voilà. Ah Pedro, le pilote élite, il a pas été gentil avec les pilotes experts. Hein. Il a rêvé, il a posé le deuxième temps. Ouais. Il a voulu se montrer. Exactement. C'est changé pour le dimanche. Team Summer qui nous dit bonne course. Bah toi aussi. Hein. Ouais, bonne course. Ouais. L'avantage c'est que t'as du choix dans la strat. Hein. Allez, il y a un peu de tout là. Mmh. Et tout, voilà. Ah, enfin Team Summer qui remet ses hards apparemment. Apparemment c'est le deuxième train de pneus, c'est celui qui est pas usé là, celui-là. De toute façon il a fait qu'un tour dessus donc ça va. Ah ouais. Est-ce que Fabibou est revenu tout à l'heure là? Ah, je n'ai aucune idée, je t'avoue. Tout le monde est là, parce que tout à l'heure j'ai vu qu'on a quitté, mais je sais pas si tout le monde est revenu. J'ai vu que j'en ai vu un revenir, je sais plus comment c'était le pseudo. De dur, de medium, de hard. J'ai du choix. Oui, de soft plutôt, voilà. De soft, de medium, de hard. Ah bah oui, bah. Il y a du choix là, c'est sûr. Du choix du roi là. Ouais. Pedro, non, bien, il a pas utilisé le soft, il les a pas usés. Et peinard. Ah bah là, ouais. Regardez ça. Du coup, on a Pedro qui aurait mis des hards. Et Arsenal, c'est tout pour l'instant. Ouais. Ouais, Switchy, un en peu soft. De soft. Soft ouais, ça va changer, je pense. Ouais. C'est pas la meilleure strat. Hein. Débarrer en soft ici, déjà que les médiums ils prennent très dur. Ouais. Switchy vient de mettre les médiums. Ouais. Dadoy, ça reste en soft. Rajko à l'offensive en soft. Mr. Jack, les deux pilotes Red Bull. Ouais, j'ai un petit doute sur les softs quand même. Ouais. Là, soit stratégie décalée, je sais pas. Enfin, peut-être qu'ils ont prévu de faire soft medium et aller avec les médiums jusqu'à la pluie, vu qu'ils annoncent de la pluie peut-être. Ça passe les soft medium. Je sais pas, c'est que j'ai pas fait en. Quand je vois que les médiums ils tiennent quoi, 11 tours, 12 tours. Ouais, ça, avec les softs ça ferait quoi, 7 tours, ça ferait. C'est dur hein. Ouais, c'est quoi, c'est 33 tours? 27, non? 27? Je sais c'est 27. 27, 28. A voir si la pluie arrive ou pas. Allez. Trashco, voilà.
sont en train de faire leur stratégie tranquillement, au final, ouais, le pilote. Mais jour. Ah bah c'est parti. Allez. Pour le tour de chauffe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc. Switchy en médium, Pedro en dur, Lelixur en médium, Alcine en médium, Dadoy en médium, Bero, Maxbot, Trashko, Spridgy, Shumi, Mr. Jack en médium, Arsena en dur. Ça vise la longévité. 27 tours. Avec la pluie, mais ça passe. Hein. Avec la pluie, ça peut peut-être passer. Hein. Tu sais, imagine, il pleut au 20e tour. Et ben, je sais pas si tu peux faire 20 tours avec les hardes, mais. Je sais pas. Hein. Revax, Falcao et Johan en médium. F1 Team Summer qui reste en hard. Il a bien aimé les hard en queue, il les garde. Ils sont déjà chauds, c'est pour ça. Ouais, bon, oui. Fabibou en médium. On a les deux Alfa Romeo, GRR The Cloud, Assassin en soft là. Ça va partir fort. Ah, les Alpha là. Ça va pas aller loin, mais ça va partir fort. Ah, soft, ah ouais. Bah ça va faire quoi, 6-7 tours, 8 tours? Honnêtement, bref. Et encore, t'es généreux. 11 hein, sur la stratégie de course possible. Ah ouais, t'es généreux, si t'arrives à tenir 7-8 tours avec les soft. Ouais, t'es généreux. Hein. Je sais pas. À voir. Tu sais qu'en fait, F1 Team Summer, sa Q1, il l'a testé pour voir si c'est, il avait un bon rythme de course avec ses hards pour la. Ah, pour peut-être, la ouais. Là, je vois que ça. Hein. Il s'est dit, est-ce que ça marche bien ou pas? Est-ce que ma stratégie c'est la bonne? Sauf qu'il a oublié que c'était la qualif et pas les essais. Par contre, on remarquera que Switchy est pas habitué à faire la pole. Non. Parce que là, il est derrière sur la ligne, tout le monde est derrière. Regarde, il y a un de ses écarts, laisse tomber. Oh, il y a une fée qui a eu chaud. Oui, ça vise derrière, dis donc. Là, ça a chauffé, mais ça a pris de l'usure. Hein. Ah, bah, clairement. Il va partir 10% là, la fée, là. Ah bah, ça, ouais. Je reconnais ça. Attends, on fait un peu les pneus, hop. Regardez un peu de place. Ah ouais, 11 tours en saut, c'est impossible. Allez, je vais me mettre au milieu du peloton. Allez, on va se mettre qui c'est qui va être pas mal au départ. Allez, sur Evax, 13ème position. On va aller sur une meilleure caméra, à mieux voir comme ça. Allez, on est parti. C'est maintenant que ça se joue. Montez les volumes et rendez-vous au premier virage. Exactement. On la connaît, un spécial. Bon, c'est lent. Ouais, s'il y aurait eu un bug. Fait. Disqualification, arrêt à un endroit, il est où? Il est foutu. Ah, bah il y a un bug. Aïe aïe aïe. Ah, il va falloir relancer. Alors attends, peut-être que la disqualification. Oh, allez! C'est mort, ça. Ça s'est plié. On connaît ça. Et eh bah ben voilà. Dommage, allez. J'étais prêt moi. Ah ouais. Bon. Bah va falloir regarder les stratégies, bon, penser à mettre les réglages. Le bureau, il peut relancer. Il peut relancer la session. Et ça c'est parce que ça a quitté, ça a rejoint. Voilà. C'est sûr. Exactement. Pendant la qualif. C'est ça. Ouais. Ah ça rend fou, j'aime pas ça. Allez. C'est bon. On décale. Ouais, merci. Et d'ailleurs, tu me demandais c'était qui avait rejoint, mais c'était Assassin justement qui avait rejoint en fin de Q3 à 5 minutes. Ah oui, bah oui. Et ben voilà. Voilà ce qui se passe. Et c'est le seul en chargement. Allez hop, retour au menu principal. Ah oui.
Ouais, le temps de tout relancer, d'en mettre les pilotes sur la grille. Ouais, c'est ça. Ton bureau recrée la session. Ça c'est bon. Hop, Et voilà. voilà. Réactivité, on est reparti. Ah là là. Allez, tout le monde rejoint plus vite. Ça serait pas mal. Ouais, pas terminé trop tard. Ouais, Il y en a qui bah. travaillent le samedi, pas moi actuellement, avant oui. Avec ce qu'il me dit, SC avant même le départ, incroyable ce jeu. Ouais, bah je pense qu'après, il n'y a pas que ça. Ouais. Qu'est-ce qui peut arriver encore? Alors, il nous manque. Ferrari, l'élection, on se On a dépêche. les. Ouais, exactement. Jay, c'est pareil. La La Brabax, deuxième appli. pareil. Bah alors, les frères Delcourt. Ah, c'est Allez, bon, déjà, hop. c'est arrivé. On a les deux As ou pas? Oui. Il nous manque le leader du championnat. Ah non, il est là. Dadoy, Je voyais plus. Ouais, il non, est je voyais là. pas, mais là, il est là. Non, il Ah, mais avec manquait. son drapeau espagnol, j'ai pas vu. Jerevac, c'est le troisième. Ah, bah, c'est Johan encore. Allez, Johan, hop. Ça. Plus que deux. J'espère que ça n'a pas fait brûler la console à G en tout cas. Ce petit problème. La Il est console, elle mort. a subi un bug, elle a chauffé, tu sais. Oh, c'est comme. Je sais pas si t'as vu que bon, il y a un petit temps mort, on va parler d'autre chose. On reste dans le sport mode, enfin, mécanique. T'as vu la Espargaro Oui, petite moto en. qui forme, Ah ouais, sympa. c'est assez drôle, tu vois. Il court pour remonter dessus, il voit qu'il prend feu, il recourt dans l'autre sens en mode en Ah fait. Non, ouais. non, je laisse tomber en fait. C'est beaucoup trop dangereux. Ah ouais, j'ai vu tout à l'heure. Ouais. C'est sympa, ouais. Ouais. Oui, il y a Trashco qui nous dit attention, Béraud, n'oublie pas de changer de circuit. Et on peut dire la météo, sinon, il n'y avait pas que du soleil. Eh non. Allez.
surtout, tout le monde pensait bien à remettre vos réglages. Ouais, ouais. Les setups, ouais. C'est vrai qu'il reprend ses gommes aussi également. Mmh. Allez, Johan, allez. C'est toujours Johan qu'on attend? Oui. Bah alors, Johan. Voilà, ça c'est bon, voilà. Ah. C'est bon, il est arrivé? Ouais, ça y est. Ça y est, le coup de pilote colombien est arrivé. Le Juan Pablo Montoya de la CFFR. Ah, il y en a un qui a quitté, non? Oui. Et c'est qui? Qui c'est encore? Ah, ça meurt. Ah, il s'est peut-être fait kick. C'est meilleur. Compliqué ce soir. Ah, puis il est même pas en ligne. Ah, il est pas en ligne en plus. Ouais. Plus qu'à inviter le groupe expert du coup. Allez. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça pique, hein. Ouais. Quand c'est comme ça. Ah, c'est bon, il est revenu. Voilà. Ah, parfait. Allez, on est reparti après ce petit contretemps. Exactement. Qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Je le répète une énième fois si jamais vous m'entendez, en tout cas sur le live, pensez bien à vos setups les gars, ce serait dommage de gâcher sa course. Hein, pareil Jay, toi qui avais été kick à la qualif et qui pensait ne plus avoir de setup, pense bien à le remettre. Ouais, ça serait dommage. Bon, du coup je sais pas s'ils ont mis que du sec.
Je ne pense pas là, lui mettre un peu de pluie à la fin, mais après, ça sera pas comme c'était prévu. Mais... Oui, comme, ça sera plus ou moins. Plus ou moins, c'était prévu. Allez, tant que tout le monde remette son setup. Sa stratégie. Sa stratégie. Et après on sera reparti. L'attente est longue. Ouais, c'est sûr. Ça commence à être long. On était sur une belle lancée, c'est dommage. Ah ouais, clairement. T'es chaud. Allez, voilà, de retour sur la ligne d'arrivée. Et de nouveau à refaire voilà. Le un tour de chauffe. Tu peux y aller plus tranquille, Switchy. Voilà. Switchy qui est parti au round ce coup-ci. Ah. Et là, changé de bouquin. Johan. Pourquoi Johan est 15ème par contre? Allez. Si c'est normal. Non, c'est normal. Si. Ah si, mais t'es si, bon si, soft. C'est Chomi qui était 10ème. Mais t'es bon soft par contre alors. Il a mis les softs. Oui. Non, par contre ceux qui étaient en soft c'était les deux. Ouais, t'as raison, c'était les deux Zappa. Oui, c'est ça, ouais, je pense que ça me perturbe, je comprends du Bah alors les gars. On changeait de pneus. Mais ouais. Allez. Non, non, non. On s'en y va, Switchy, on lâche, c'est un bon rythme. Ils vont être bouillants les verres, moi je te le dis. Voilà. Bon, du coup. On va se replacer. C'était sur qui? C'était sur les axes que j'étais tout à l'heure. Avec sa oui-oui. La oui-oui arrive à Axe. Allez. De nouveau, se mettre en condition. Ouais. Ils sont obligés comme ça, je veux compter ce qui est le dernier se pose sur la ligne. Cette fois-ci, rendez-vous vraiment au premier virage. Hein. Ah ouais. Pas de blague, les gars. Ouais. Ah, voilà, sévère. Voilà, on va démarrer. Bon départ. Excellent départ. Oui, il y a Dadoy qui a fait un bon départ, qui est déjà troisième. En peloton, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il y a juste une voiture qui est partie au large. J'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Dadoy. Où il y a un contact, par contre, c'est Revax qui part en tête à queue. Ouh, pardon pour le cri, mais j'étais surpris, j'ai eu peur. Je pense que lui aussi. Il a cassé au Revax. Il a eu un contact avec un autre pilote. Et malheureusement, Assassin a pas eu le temps de l'esquiver. Et il lui est foncé. Ah, il est plus rond, ouais, il y a plus rien. Ah, ouais, non, non, mais il y a. Mais c'est pour commencer. Ah, ouais, ça... c'était compliqué. Hein.
Ouais, ça a commencé et tous les pilotes ont esquivé sauf Assassin qui est arrivé. Ah bah ouais, pas le temps de réagir j'imagine. Ah. Exactement. Alors. Qui porte bien son nom pour le coup, hein. Il porte bien son pseudo. Ah, il l'a tué. Ah ouais. Tu m'étonnes. Alors, y a pas de dégâts. Mis à part Assassin pour l'instant. Ouais, non, j'ai juste vu un pilote partir au large, mais. The Cloud non plus, Summer qui a fait une bonne remontée, hein, 14e déjà. Et c'est reparti. Hein. Fini, fin de la VSC. Je vois une 12e également. Profite de Safe Soft. Ouais, remonter un peu. Ah non, descendre. Voilà. On a un drapeau jaune, secteur 3. C'est Falcao. C'est, et enfin, Team Dadoy aussi. Dadoy, les gars. Compliqué le leader là. Et ça rentre au stand pour Et ça bosse aussi. Assassin et Dadoy qui rentre au stand. Et c'est Pedro qui a pris la pole position. La pole position, pardon. Ah, je suis resté sur la qualif du coup avec cette coupure, moi. Aïe. Qui a pris la tête de la course. Ouh, ça attaque. Ouh, c'est beau. Ça se défend. Pilote Aston Martin. Ouh, ça a glissé un peu pour celui-ci, mais ça s'est bien rattrapé. Oui. Attention. Il vide la batterie. Il le coince. Il coince les pieds de Ferrari. Ouais, c'est compliqué roue, ça. Ouais, si on peut pas passer, tant pis. Ah ouais, quand t'es bloqué, t'es bloqué. Ouh, ça glisse pour la plus marde. C'est compliqué là le départ. Ouais, c'est pas la même strat, c'est... mais. Ah, c'est. Ouais, ça c'est faut patient, ouais. Partir en hard aussi. Quand il part premier, c'est, ouais, c'est compliqué. Hein. Il sera mieux en fin de course, faut juste qu'il prenne son temps, qu'il perde pas trop de temps dans les batailles. Mais devant, ça joue fort là. Il y a les trois pilotes là, Bero, Alcine, Nija. On a Summer qui est passé sur Johan. Ah oui. Pilote As qui est en train de faire sa remontada. Ouh, qui glisse. Et qui se refait dépasser par Mr. Jack. Il est passé le free tour, il sort large par contre. Oui, mais Jack il a pas dit son dernier mot, il réaccélère, il veut se passer à l'extérieur. Ça laisse suffisamment de place, c'est trop bien joué. Qui reste à l'affût derrière. Et Pedro qui a fait un gap, 2 secondes 3 d'avance. Oui. Il s'est échappé pendant que sa bataille est derrière. Max Point sur Switchy. Switchy qui est vraiment en délicatesse là. Ouais, c'est. Il est dans le dur là. Ouais, par bon, pilote. À part Pedro, hein, mais bon, qui est pas vraiment du championnat, mais c'est seul hard, on va dire. Ouais. Qui était dans les premiers, donc en espérant que ça paye, mais il a l'air vraiment en difficulté, il glisse beaucoup. Juste prends ton temps. Allez, poulet, ça va bien se passer. Frasco qui en profite, hein, du coup. Qui perd beaucoup de position, qui a spin. Et Spriggy aussi, il en profite. Et ouais, Switchy avait plus le DRS. Et Switchy qui vient perdre 3 de position en une seule ligne droite. Ah ouais. Faut qu'il se dise qu'il va être plus fort en seconde partie de course, mais. Passer de la P1 à la P9. Ouais, c'est dur. Ouais, en 3 tours, dur, 3. Mentalement, faut être fort. Hein. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. On a GR qui est passé du coup sur J. Choubi qui a failli attaquer. Arsenal qui arrive à l'affût. On a Bero qui est très très proche de Max Pod. Ah, c'est Max Pod qui est repassé sur Bero du coup, vu que Bero est redescendu en 5ème position. Aïe. Bah, je sais pas, Bero il était mon cœur assez serré. Ah, tout le monde est dans la seconde jusqu'au 13ème, ouais. À part Pedro, mais. Ouais, ils sont en train de revenir, je crois. Elle est en train de revenir un petit peu sur Pedro. Et Trashko au final, Trashko qui est dans le bon groupe. Ouais. Il est dans le bon groupe. Il remonte tranquillement. Voilà. Juste qu'il s'accroche, mais. Ouais. Pas perdre de DRS là, ce serait dommage. Voilà, ouais. Faut en profiter. Dodo, il est loin, on rappelle. 18ème. Ah, il s'est arrêté au premier tour. Après un départ un peu compliqué. Mmh.
Max Pod, version de lecture. Dado est 33,5. Meilleur temps pour l'instant. Celui qui dégringole encore. Oh la vache, ah ouais. Arsenal aussi est passé, du coup il en a profité. La pilote Aston Martin est passé 9ème et qui est en train de vous faire une petite remontée. Ça y est, pilote McLaren est passé. Ça a la lutte, ouais, c'est proche. Beaucoup, là. C'est des dégâts ou sur la Fattori ou comment? C'est bizarre quand même. C'est en espérant qu'il a pas oublié d'enregistrer son setup quand même. Parce que... Ah ouais, ce serait dommage. Parce que là c'est. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ah, parce que là il y a pas la réactive. Rien quoi. Ouais, y'a un truc, mais y'a rien où. Soit c'est un setup qualif qu'il avait, ça. Mais. Ah, je sais pas, mais là y'a rien là. Ah, y'a un. Après, il conserve bien son ERS. On dirait une as quand il fait une bonne qualif. Hein, ouais. Y'a plus rien après en course, ça dégringole tout le monde. Hein. C'était les Aston Martin au départ du Grand Prix du Brésil, tu sais. C'est ouais, ça, c'est partir en mode tracteur. Ah ouais. Oh, Choumi, c'était pas loin de la perdre. On a Max Pod qui est très très proche d'Alcine. Un Choco qui est limite, hein, en train de garder le DRS. Yeah, ouais, limite. Faut qu'ils se battent. Allez, mets un petit peu de. Ouais, un petit peu de pile là pour rester. Ah ouais. Ouais, 3 secondes, ouais, ça. Pedro qui maintient le gap sur Alcine. Alcine tape c'est beaucoup dans la batterie. Ça. Aïe, 35%. Heureusement que Raven n'est pas en train de commenter. Ouais. Ouf, un Team Summer qui pèse sur Switchy. Ouh, sur la lutte, on lâche chicane. Ouf. Ouais. La Switchy, il est en gestion sur sa batterie, il est à 84%. Et on a idem Falcao qui est à 95%. Ah ouais. Merde. Ils sont en gestion, les gars. Ils sont à deux troncs, les gars. Oh ouais, ça se souvient beaucoup là pour. Oh, mais c'est déjà dit sûr qu'il a perdu des places du coup. Bah oui, il s'est fait dépasser par tout le monde quasiment. Voilà. Jack et du coup, Trashko qui a bien recollé. Jack aussi. L'esprit, il faut qu'il s'accroche. Il est au-dessus de la seconde là. Allez. Oui. Attention depuis Red Bull. Il y a déjà eu un antécédent comme ça. Vous suivez pas trop près. C'est vrai. Ou Trashko sur les lixures. À l'intérieur, c'est pas évident. Oh, encore 3 secondes pour un The Cloud, ça fait beaucoup déjà. Ouais, déjà 5 secondes dans 6 tours. Ouais, ça fait une seconde par tour. On est sur un bon rythme. C'est bon rythme. Allez, faites dedans. Allez, sauf bon, au bout de 6 tours. En 4 du coup, il a pas. Il s'est arrêté. Alors attention, parce que là, je voudrais pas être le deuxième. Ni le troisième. On remarque qu'ils ont un peu d'avance. Ouais. Ouais, ça va être déjà dit sûr là, j'ai l'impression qu'il est en manque de rythme le pilote Ferrari. Ouais, là, ouais. Parce qu'il est en train de dégringoler. Et Trashko qui se monte, mais il va être encore trop loin. Ouais. Il tape pas dans la batterie en plus. Ah, c'est vrai. Ouais, ah, il fout. Au final, il est peut-être pas si mal. Ouais. Switchy sur Johan. Oh, à chaque ligne droite, il mais a une position, Switchy maintenant. Déjà dit sûr, à chaque Grand Prix, c'est pareil. Il a énormément de batterie. Alors, je sais pas si son bouton ERS il marche ou quoi, mais. Dernière fois, c'était le Grand Prix que je commentais, je te jure, je sais plus c'était où, mais il était le seul à avoir quasiment plus de 80% de batterie. J'attendais, ouais, c'est bizarre des fois. Il est économe. Ah ouais, ouais, bah là, il est pas prêt d'user. Il n'a pas usé la batterie. Hein. Il sait que c'est pas maintenant que la course se joue, il attend. En position d'attente. Il est tapis dans l'ombre, il mange des pop-corn. Ouais. Ouh, c'est sorti au large pour la Red Bull de Mr. Jack en 7ème position. Ah, j'ai pas il va se faire attaquer par Spree. Ah oui. Son Max Pod qui est en train de passer sur Alcine. Ouais. Tranquille. Pedro qui est en facile là, en gestion. Wow, c'est fini, ça sprige. Oh les non, ça sprige. Aïe, aïe, aïe. Pirate quelle tristesse. Ouais. Tellement facile sur Allez. Ah oui, il suffit que tu montes un peu trop haut sur la bosse. Ah ouais, attends. Un peu trop de gaz. Terminé, bonsoir. Allez, vas-y, replace au Sprint G, la course est encore longue. Voilà, allez. Il n'y a pas 14ème. Dommage ça. Ah, surtout qu'il était dans le bon wagon des premiers. Enfin, Team Summer qui passait Arsenal. Le combat de hard. Et sinon, on a un beau petit groupe là. Hein.
qui va de Maxpod à Asimero, Nisha, Trashko, Jack. Jack est un peu plus loin. Oh bah, il en avance en tour 7. Ah, il est en train de revenir sans Pedro du coup. Ah ouais, du coup, ouais. Max qui fait le taf, qui va remonter le groupe. Il est là en train de tirer le groupe, c'est bon. Après, t'as plus de reste, il a tiré sur le reste aussi. Le pilote élite qui est en train de. Ah ouais, c'est bon, il a plus 13%. Alors lui, par contre, il est pas à l'économie. Pour... Ah ouais, ça va pousser. Ouais. Là. Alors faut savoir que les deux pilotes, bon. Hein, premier et deuxième, sont dans l'élite. Et qui sont comme petit. Ouais, ah, c'est Sprit ouais. Caro Sprit G. Ah ouais, ils sont en train de se tirer la bourre là, les deux. Ah, il y en a un qui est en train d'aider le groupe expert pendant que l'autre est en train de faire sa course. C'est ça. Il se dit, si je peux avoir une win cette année, c'est maintenant ou jamais. Je veux ma win. Elle est pour moi la win. Il est sur trash coup derrière. Ouais. C'est ça qui essaye de s'accrocher. Il a perdu le DRS, la pilote Red Bull, ça va être dur là. Ah, l'histoire de Jack, ouais. C'est compliqué derrière. Ouais. C'est... Ah ouais. Il fait yo-yo un petit peu, je trouve. Là. Ah, il a une seconde, une. Et ouais. Ça, à mon avis, ça va. Là, ça s'agrandit, une seconde, deux. Ah, quand on perd le DRS. Qui revient sur Schumi, là, qui est en train de faire le taf pour remonter. 2 secondes 6. Switchy, qui retrouve du rythme, qui passe sur Johan. Les pneus hard sont en bonne température maintenant, au bout de 8 tours. Johan qui attaque, il vide la batterie. Voilà, 5 minutes maintenant. Ouais. C'est là. Un beau petit groupe quand même, c'est bien sympa. Il y a deux AlphaTauri qui se suivent. Là, il y a quelques pilotes dans un No Man's Land, dans la Summer, on a Emric, Arsenal. Ouh. Du moins. Oh, ça y a rasé le train, rien. Oui. Ça glisse beaucoup. Ouais, Summer qui a perdu des dixièmes. Serge Choumi, il a pas réussi à monter. Ah, Switchy. Ah, coup dur. Et on a Trashko qui a perdu le DRS. Ah ouais, Mister Jack arrive à un dixième de son coéquipier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Pedro Larochelle. Oh là là, il a fait. Ouais, il a gagné. Ah là 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 là. Disaster class, il y a Coronel Roux ou pas? Oui. Assassin, 3 secondes. Oui. Oh, il est passé de premier à dixième le Pedro. Oui. Avec les pneus chauds. En plus. Et des hardes. Ça va être sympa. Pas tout le sprint, Switchy. Ça passe pour Fabio, il a profité. Mais c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, bonne question. Oh, mais c'est dans le peloton, c'est G. Ah oui. Il a cassé son aileron ou pas? Oh, ça rentre pour Mister Jack. Vous les... Et Shumi. Oui, je crois que c'est oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. On peut payer tes vêtements, ce serait con. Ouh! Il y a un dépassement illicite à mon avis là. Attention, il y avait pas mal de monde qui boxe. Il y a Mister Jack et Shumi qui mettent des hards. Switchy qui va se tourner avec ses hards. Pedro qui met des médiums. Johan qui met des médiums. Switchy qui a mis des softs. Les Virtual Safety Cars, je pense que ça va bientôt repartir. Voilà. Mais il a mis des softs, Switchy, c'était compliqué là par contre. Par contre, ça fait un arrêt gratuit, ça quand même. Hein. Ouais, c'est un arrêt gratuit. Et c'est qu'une VSC, c'est pas une SC, donc ça regroupe pas forcément. Ouais. Mais Johan qui a mis des médiums, Falcao qui a mis des hards, Sprit G qui a mis des hards, passé en soft. Dado qui est rentré mettre des hards.
Pénalité draft trou. Allez, à... un dernier trou pour assassin. Ça c'est dur. 3 secondes. Les pilotes Alpha Romeo sont en train de faire une masterclass. Voilà, une un masterclass dans la pénalité. 12 secondes au deuxième tour. Aïe aïe aïe, ça c'est dur par contre. Ouais, attention, on va essayer de finir la course quand même. On va pas se faire disqualifier quand même, ça serait dommage. Ah ouais. Je sais pas combien au bout de combien de temps t'es disqualifié. Mais en fait ça dépend de ta, la fréquence des pénalités en fait. Au bout d'un moment, si tu prends deux pénalités en deux tours ou trois en trois tours, bah au bout d'un moment le jeu il va te dire bah attention, c'est stop quoi. Bah, c'est stop quoi. Tu vas en prendre beaucoup mais régulièrement tu vas tranquillement tous les 3-4 tours. Ouais. Ah rigueur, mais tu... Et si tu t'en prends trop d'un coup, le jeu il va te dire bah disqualifié. Mais... C'est rideau. Il va te dire drapeau noir, tu rentres au box. Ouais. Ouais, même pas, tu rentres au box, tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes là. Mets-toi sur le côté, s'il te plaît. C'est comme les flics quand ils t'arrêtent. Allez, hop. Et là, t'as pas qui entend, tu peux pas. Mais, mais voilà, c'est trop ça. Hein. Allez, Biro, faut que tu t'accroches. Mais moi, je dis que ceux qui étaient en médium qui se sont arrêtés... Mais pas loin du bon plan quand même, parce que les médiums là ils sont quand même rincés. Hein. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ouh, on a Jadis sûr qui passe à l'attaque, ouais, est-ce qu'il aurait décidé de taper dans la batterie? Oui, son bouton RS ah, oui marche. Ah oui, 68%. 68%, mais c'est beau, il retape encore, incroyable. Regarde, il est plus à l'économie. Non, mais par contre, il a raison, parce qu'il se dit si Béro il perd le DRS sur Maxpod et que moi si je peux l'avoir, il va me tirer. Oui, voilà, ouais. Ouais, et puis après, au pire, il va économiser derrière, mais ouais, t'as pas un moment. Secteur 1, qui s'est passé, secteur 1 ? Secteur 1, drapeau jaune. C'est les Alphas, ça. Oh, bah, c'est un respin. Ah oui, bah, c'est The Cloud. Ouais. Ouais. Vu comment elle est partie, on sait que on sait qu'il a spin juste avant. Attention, ouais. Retour en piste. Il y a G qui est. Non, il est loin de G. C'est la piste de MotoGP, ça, je reconnais. Ouais, ça c'est le long lap. C'est le long lap là. Au passage, je crois qu'il a repris 3 secondes. Oui, mais oui, il a repris 3 secondes. C'est bizarre parce que pourtant il s'est bien éloigné pour revenir. Et bah, le jeu, il a quand même mis 3 secondes. Ouais, pas, ouais. On va comprendre des fois. Allez, Asseline, il faut qu'il reste accroché. C'est tendu là pour DRS. Bon, ça va, il est encore à 8e et là il est en train de revenir. Ouais, ça se tient les 5 premiers. Summer qui arrive à 5 secondes. Hydro 33-2. Ouais, Summer il va être pas mal pour cette fin de course. Il sera sûr d'être beaucoup plus tendre. Ouais, par contre, ouais. Ouais. D'être plus frais que ceux qui ont box déjà. Attention, oui. Secteur 3, encore une Alpha. Ah bah, GR The Cloud encore, il va encore prendre une vérité, non ? Non. Mais attention à pas gêner les. Parce que là les premiers vont pas tarder à arriver. Il y a Jay qui arrive derrière, voilà. Ouais. Là ça va, c'est les. Bientôt, ouais. Là ça va, ils sont dans le même tour, mais attention parce que. Ah, il dort bientôt, ouais, c'est vrai que. Oh là là, il a l'air en délicatesse avec ses gommes. Mon dieu, et 3 secondes. Il est en train de péter un record. On va remonter aux archives pour retrouver un début de course comme ça avec autant de pénalités. Ça va. Comme ce sport, oh non! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, waouh! On a failli avoir une catastrophe là. Ah ouais, il a crevé. Ah, il a crevé. Il a crevé à la gauche. Oh bah alors là, bon courage. Oh bah alors là, mon dieu. Oh mon pauvre. Ah bah alors là, mon dieu, le tour va être long. Il va être long. Ah bah là, oh mon dieu, mais oh, je le plains. La malchance pour le pilote Ferrari, mon dieu. Vache, mais je le plains. Il va être à l'arrêt, hein. Son pneu, il va se déchirer, tu vas voir. Normalement, s'il continue, bah non, mais. Mais plus, à l'arrière, tu peux avoir une vitesse, mais à l'arrière, c'est impossible. Ah. Il a des pénalités et tout en plus. Oh bah alors là. Je t'annonce, il y a un autre drapeau jaune et il y a ce petit cas. Je t'annonce direct. Ah non, mais là il a l'arrêt, il avance plus, ça y est, c'est fini, il va se prendre des scus. Et ah oui, avec la bosse du coup. Ah bah ouais, c'est et fini. Voilà. Ah et bah c'est ouais, fini. C'est... Attention, pilote qui arrive derrière par contre. Ah ouais, c'est fini, ah ouais. C'est un bon game là.
Ah ouais, non, mais là, c'est fini. J'ai connu aïe, ça aïe, à Bakou en remplacement. Ah oh ouais, bah ça y est, surtout, il s'est déchiré. Ouais, la disqualification. Fini, Ah, attention. Oh, le bon. Ah, c'est triste. Oh, c'est tellement oh, la triste. Vache. Oh, j'y crois pas. Oh. Et qu'est-ce qu'il fait? Et voiture de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a cassé. Ah ouais, ah, dans le. Dans la droite là. Ah. Où on peut le voir? Je suis encore là. Fin du secteur. Il est où? Fin du secteur 1. Non, il repart, c'est pas lui. Il est à droite, non? Je sais pas. Alcine, 5 secondes de. Oh, ouais. Il est rentré dans les fesses. Oh, dans les stands. Bah. 5 secondes de pénalité, Arsenal. Oh, non, voilà, pas sous les pénalités là, c'est dommage. Oh putain, un aileron pour Alcine. Arsenal qui arrive derrière, impeccable. 5 secondes 5 pour secondes Pérou. Pour Pérou. C'est 60, on est en France, là, les gars. C'est pas 80. Hein. Oh. Ah, voilà, alors, je suis d'accord pour dire que la voie des stands est pas ouf. Ah ouais, c'est open quand bar, même, la les pénalité. Gars. Ah, <C'était... ouais. rire> oh. Clairement. La direction de course, elle est en train de fumer de la tête. Hein, au moment où il reclassait tout le monde, là. Regarde hein. Qui est 1 et 2, regarde. Ouais, bah ceux qu'on boxe, voilà. Voilà. Monde l'a laissé. Ouais. Voilà. Et Béron aussi, 3ème, du coup, qui a profité voilà. De l'incident avec d'Alcine. Oh, mais du c'est coup. Tellement triste. Ah, mais du coup, il y a aussi Revax qui a abandonné. Et Max Pod, il est re-rentré. Ah, il était rentré un tour avant. Il est re-rentré, mettre des médiums. Ouais, c'est pas bête. Ouais. C'est pas bête, c'est loin par contre. Ouais, il va finir en plus. Ouais. Par alors, contre, du coup. Il re-rentre, ouais. Mais des bon, au niveau un des... petit peu usé du départ. Au niveau des pénalités, on a Alcine qui a 5 secondes, ouais. On a Arsenal qui a 5 secondes, Pedro qui a 5 secondes, Switchy qui a 3 secondes et Assassin qui a 3 secondes. Bon, c'est dommage qu'on avait un sacré record quand même en marche, mais malheureusement, il a été. Il est tombé à l'eau Allez, ça se regroupe derrière ces petits cars. Exactement, on est reparti pour une course. Moi, je pense qu'il va faire encore un tour là, parce que ouais. On a là, ouais, on a l'Alfa Romeo et la McLaren là. Ouais. C'est loin, loin, loin. Attention, Mister Jack, prends tes distances avec la voiture de sécurité. Ça sert à rien de trop coller. Elle va pas aller plus vite. Là, qu'on a eu des problèmes comme ça. Mmh. Ça rentre pour Alcine, ouais. Ah, qui va purger les 5 secondes, ouais. On va mettre des médiums. Mais ouais, c'est seul pas ou pas? Ah, oui, c'est ouais. C'est pas bête, c'est dommage, mais c'est pas bête. Lui qui est en bonne posture en plus. C'est... Mmh. Ouais, il ouais bah, du coup, il va repartir dernier. Bah, et loin. 15ème. 15ème, ah ouais. Ouais, 15ème position. Ouais, au mieux. Ouais. Ouais, ils sont encore loin les autres. Hein. Ouais, ouais. Mais bon, moi, il aura plus de péna, mais bon, c'est vrai que. Ouais, ça c'est dommage. On a fait un team d'Ada qui est 14ème alors qu'il a fait une belle remontée aussi. Comment ça se fait? Non, il s'est arrêté au premier virage. C'est Summer plutôt. 5ème qui est parti. Qui était sur des hards et qui était en. Ouais, c'était Summer. Ah, ok. Ok. En Dada, il a failli. Il faisait un bon départ. Il partait 4 ou 5, je crois. Il faisait un bon départ et au premier virage, je sais pas, il a dû taper un peu. Sorti ah oui, c'est lui qui a dû partir large. Et après, il est rentré au stand au premier tour. Et... Exact, exact. Et c'est compliqué. Là, il va pouvoir remonter s'il le peut. Et il va recommencer sa course. Du coup, avant, ça va un peu compliqué. Bon, on a Switchy et Mister Jack, ils ont inversé leur position. Hein. Il y en a un qui a gagné 10 places, l'autre qui en a perdu 10. Ouais, ouais, c'est vrai que le Poleman est 11ème. Ah, c'est fou, hein. Ah, ouais, ils n'ont pas compris le début de course de Switchy, c'est incompréhensible. Bizarre. Est-ce qu'il va être plus sur ses médiums? On le souhaite.
Ouais, j'espère qu'il aura un meilleur rythme. Ah ouais. Puis la qualif il nous a sorti. Ah ouais, vraiment, c'est dommage. Mm. J'ai pas vu s'il avait changé un aéron ou pas. Ouais, je sais pas, j'en ai aucune idée. Ah, ah ça y est, ah ça là, va repartir. Ça ah. On va se remettre, allez, sur Summer. Mister Jack à la romance. Oh, bah c'est long là. C'est arrêté. Je vais mettre sur Béro. Belle relance de Mister Jack. Le papy Ludo qui est en train d'encourager Shumi. Voilà. Ouais, qui est deuxième. Hein. Petit Suisse. Allez, ouais. Le petit Suisse. Qui avait raté sa Q3. Ouais. Trop de chance. Ah, attention, Summer Trashko, ça va être à suivre. Parce que mon ami. Ah oui, Summer qui est déjà, ouais. Ah, il est collé aux fesses déjà. Oui. Avec ses pneus médium. Si on aurait si sa troisième victoire en 4 courses, ça serait fort. Hein. Non, ouais, j'avoue. Bah, c'est à lui qu'elle a mieux profité, hein, là, ce petit gars. Hein. Parce que, ah, bah oui. Ouais, tout le monde est en rare, lui. Trashko qui défend à l'intérieur. Arstona qui passe à Fabio également. Ouh, c'est large. Mmh, ça passe. Et il pousse, hein. Alors là, pareil, la batterie elle y va, hein. Elle y passe. Hein. Trashko, il a déjà 50% de RS. Non. Allez, c'est Pedro. Chaud, Pedro Fabibou. Switchy qui est collé aussi à Johan. Dadoï sur Spritzy également. Véro qui suit le duo ouais, de tête. Ouais. Ah ouais. Bon, ça va être Summer là par contre qui a 3 dixièmes derrière. Ouais. On va suivre ça. Pedro le meilleur tour, en 16ème position pour plus la souffler. Scucci qui est passé sur Johan. Mm. Je l'ai raté. Le Summer qui va passer à l'attaque là je pense, ouais, sur ouais. Une droite. Jay qui passe sur Assassin. Ou Alcine. Qu'est-ce qui se passe pour Alcine? Il s'est fait doubler par Jay en même temps. On va venir sur Summer. Ouais. Trashko essaye de s'accrocher, c'est un peu plus compliqué, il manque de rythme. Qui envoie et qui ouais. Passe sur Béro. Béro. Il va aller chercher Shumi. Dans la foulée. Attention non. Freinage. Oui, il reste. Il a peut-être croisé. Hein. Il a soigné la sortie là, il est ouais. Proche. Hein. Il reste patient. Ouais, il a raison. Ouais, il a raison, c'est un peu compliqué là quand même. Il sait qu'il a des pneus. Enfin, ouais, voilà, ouais. Il sait qu'il va passer logiquement. Déjà de base, ils sont plus rapides ces pneus. En ouais, plus, ils ont moins de tours. En plus, ouais. Arsenal 3 secondes. Ah oh, c'est dommage, c'est une belle course. Pedro qui passe Trashko. Oui. Il est passé. Il a de Ferrari. Ah ouais. Il n'a pas attendu hein. Ah non. Ah ouais non, il n'y a pas le temps. Non. Bon, il y a le DRS là. Ça va pousser au DRS. Ouais, mais là il fait une semaine s'il va attaquer. Ça met déjà la batterie. DRS activé. Shumi là aussi mais. Ça pousse dans la batterie. Oui. C'est passé. Fabio qui passe sur Arsenal pas. Également. Est-ce qu'il va en profiter pour attaquer Mister Jack maintenant? Ouais. Il se rapproche, hein. Ah, le deuxième.
Il va essayer de croiser, je pense. Ouais, il va se placer à l'intérieur. Voilà. Ça va passer. Voilà. Il se place. Un petit peu tôt, voilà. C'est beau. Oh, c'est beau. Il reste bien à l'intérieur. Ah, c'est bien fait. Ouais, c'est magnifique. Propre. Ouais. Ouais. Bien amené. Mmh. Non, il sait qu'il a les pneus en plus pour. Ouais, voilà, il sait que ça va tenir et tout. T'es peinard. Hein. Mmh. T'as juste à pas faire d'erreur. Bien placé. Ouais, c'est terminé. Ça. Oh, 3 secondes pour faire le KO. Ouais. Dommage. Ouais. Mmh. En train de faire le trou. Hein. Summer, ça y est, millisecondes. Ah si, non, délicatesse, hein, 17ème. Ouais, c'est compliqué, là. Je sais pas ce qui s'est passé, si... Mais ouais. Il a eu dû avoir un accident, parce que du coup, il a reboxé avec Assassin, aussi. Ah ouais. Ah ouais, bah ouais. Ouh, Pedro sur Bero, je l'ai pas vu arriver. Je pense que Bero... Au même endroit que Trashko, non? Ouais. Ah, attention, c'est ouais, que t'as 3, ouais. Drapeau jaune, Alcine à l'arrêt. Aïe, aïe. Ah bah il a... Ouais, c'est dur. Là, c'est dur pour Alcine. Ouais, c'est une belle, un beau début de course. Bah ouais, jusqu'à la safety car, c'était pas mal. Ah, Emmerich, Arsenal qui passe sur Fabibou. Ah, la revanche. Ça a reniflé, là. Hein. Ah oui. Ah, il voulait savoir si t'es au gasoil ou à l'éthanol, là. Hein. Je pense qu'il a la réponse. Ah ouais, clairement, ouais. Oh, Shumi. Oh, bah, ça tapait. Oh, oui. Ouais, avec du coup, Mister c'est Jack. Pedro Larrafal qui part au large. Attention, secteur 3, Pedro Larrafal qui se range, qui laisse tout le monde passer. Je suis arrivé trop tard sur l'incident. J'ai pas compris. Ouais, 10 secondes. Mais bon, après, c'est sans trop d'incidence parce que bon. Il n'y a plus d'aileron pour Pedro. Shumi, je ne sais pas, ça a l'air d'être bon. Bah alors, le pilote élite un peu trop agressif. Ouais, c'est bizarre. Mais du coup, on avait fait un team summer, et alors là, il est parti pour une petite promenade de santé. Hein. Ah ouais, 2 secondes 6, ouais, bah là, ouais, ouais. Tranquille. Sweetie, ça fait du beau. Sweetie qui remonte. Allez, Sweetie, allez, c'est bon. Voilà, allez. T'as des secondes de pénal, c'est pas grave. Allez, je continue. Fabibou, c'est compliqué là par contre. On a Arsenal qui fait quand même belle course. Hein. Qui remonte. Ouais, Arsenal il est bien, 5ème. Ah ouais, avec des pneus médium et tout, 6 tours. Ouais, il est bien là. Dommage pour la Pena parce qu'il est en train de faire quelque chose de bien. Hein. Drapeau jaune encore, c'est une McLaren. Oui. Assassin, meilleur tour. Ouais, bon, bah Pedro il a mis les softs, on sait. Hein. Johan Fabibou. Ouais. Allez, Bero qui s'accroche à Mister Jack. Ouais. Avec des pneus où ça clignote pour le pilote Red Bull. Et ça, il le voit, Bero. Mais lui aussi, il a plus beaucoup de batterie. Ça, bon. Ça se passe beaucoup à l'intérieur. Ah, peut-être c'est la meilleure trage ici. Ah, dommage. Ah, des pneus plus frais, il n'y a plus de reste pour Mister Jack. C'est dur. C'est dur. Johan Fabibou. Acte 3. Ouais. Oh, Fabibou, bienvenue. Alcine à Bordeaux en stand. Par contre, c'est Johan. Johan est parti au large. T'as pas de bon, coupe tout. Accélère et coupe, bordel. Ouais, Switchy est vraiment bien. Hein. Switchy est en médium avec Switchy, beaucoup de batterie. Là, il est trop bien. Là, il est à l'aise. Ouais, il a pas aimé les hardes, alors les médiums. Ah, les hardes, il les a pas aimés du tout. Hein. Ah, ouais, là. Fabibou, Johan, ça repasse. Attention, on va pas partir trop large, poulet. Oh ouais, bah oui, du coup, pas trop large. C'est passé là. Bon. Dado qui passe également. Qui remonte en top 10, Dado, ça y est. Voilà. Fabibou, Johan. Falcao, il est passé où? Bon, Fabibou, il y a plus des dégâts là. Falcao, il est passé 10ème du coup. Il passe. Il n'y a plus rien pour Fabibou là. Qu'est-ce qui se passe pour Fabibou là? Il a peut-être perdu un incident, non? Alors pour jaune, ça c'est le bot. Maxwell qui passe sur Arsenal. Des dégâts ou pas pour Fabibou là, là j'essaye de voir avec la voiture de Speedy, mais j'ai pas l'impression. Non. Il y a Dadoy qui remonte. Johan, voilà, normal. Il n'y a plus de RS par contre pour le 2 Mercedes. La Julia qui lui dit dessiner le semeur. Et ouais, il a faim. Ah ouais, il a faim, le pilotas. Il a les crocs. Ah ouais. C'est le pilote du jour. Hein. Ah, clairement, ouais.
Voilà, retrouver un deuxième. D'autant, il a fait une disaster class en Q1. Ah ouais, ouais, bah, un calife. Mais il est en train de nous rattraper là. Parfois, il est en train de... Avec la safety car en plus, impeccable. Et là, on a le pilote Albin qui va se battre contre les deux Red Bull. Voilà. Mmh. Ouais, Trajko qui a monté également en quatrième. Ouais. Il fait petit bouchon là, Mister Black. Il va aller chercher le podium. Ah, c'est le moment de mettre des points. Parce que, ouais. Et Trajko qui attaque. Ouh, attention le 3. C'est compliqué. Avec les, il est au bureau, il est là. Il est à l'extérieur du virage 2 du coup. Ouais, heureusement, ça a relâché. Max Pot qui en profite, qui arrive derrière, qui ramène Arsenal. Ouais, parce que là, ils ont perdu. Voilà, une seconde. Quand tu vois Béraud qui était collé, qui est maintenant à 7 dixièmes. Ouais, on a perdu une seconde dans le virage. Voilà. Et du coup, et qui c'est qui est pas loin non plus? Arsenal qui vient de rattraper le terrain. Il s'est ramené par Max Pot là. Par Max Pot. Ouais, impeccable. Et Switchy qui est collé derrière avec le RS en plus. Voilà, oui, ça va passer là. Oh, ouais, là. Il y a pas match là. Ah ouais. La différence de rythme qu'il a entre ce qu'il avait avec le CA. Tout à l'heure, il était arrêté. T'as l'impression qu'il a changé de voiture à la septième. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est dingue. Falcao. Bon, désolé, ce maire, on va pas trop sur toi, mais bon, t'as tellement d'avance que. Ouais, c'est vrai, quand même. Là, Obero qui tente à l'inté. Non, qui se ravise. Oh, mal placé derrière, après, c'est le match. Ouais. De toute façon, Obero est tranquille et il s'acquiote devant. Il sait qu'avec le DRS, il a passé peinard. Ouais, il a. Après, il a pas beaucoup de batterie non plus, Obero. Derrière, avec plus de batterie, non, même pas. Max Pod non plus. Ouais. Non, mais celui qui a plus de batterie là dans le groupe là, c'est Switchy avec 68%. Ah oui, bah oui, Switchy. Ils sont tous en train de revenir, hein. Puis Dadoy, ça va être pareil. Hein. Si ça continue à se bagarrer devant, ouais, à faire 3 du secondes, temps. Ouais. Alors, un peu trop temporisé. Hein. Il reste 4 tours. Mister Jack qui fait bouchon. Et Dado il revient très fort. Fabibo qui passe sur Sprint G. Voilà, non, là, Béron ça s'arrête. Ouais, mais même pas, 5 dixièmes, c'est mort. Ah, c'est trop loin là pour porter une attaque. Ah ouais, c'est trop loin. Ouh, il a trop lâché les freins. Il a lâché les freins. Ça sera bien resté focus. Et c'est trop qu'on profite. Et voilà. Et là, il va passer à l'inté là. Il vide la batterie. Ça va se manger derrière. Est-ce que Béraud va essayer de croiser? Allez, un enchaînement. Ah, il a hésité. On avait vu, il a hésité. Il a eu raison de se raviser. Hein. Faut mieux qu'il suive. Tant pis. Oh, Jay à l'abandon. Attention. Voiture de sécurité. Ça ralentit tout. C'est moche. Ça, c'est moche. C'est pas joli. Ça, c'est moche. Mais il a cassé où du coup? J'arrive pas à voir. Vers la chicane. Ah, bah, la réaccélération, il a dû taper le rail du coup. Ouais, ça va être ça, ouais. Parce que tu vois, Assassin il est là. Voilà, chicane. Là, je suis dessus, ouais, mais je pense qu'il a dû casser à gauche. Hein. Et là, ouais, à gauche, je pense. Ou à droite, mais je pense que c'est à gauche. Ouais. Par contre, rentrer au stand, c'est pas la meilleure idée. Ouais, mais du coup, vu que tout le monde l'a fait. À part Trajko, ça pue. Ouais, attention. Mister Jack qui met des softs et tout, il va rester. Oh, il va rester quoi? Elle va faire un tour là, elle va en faire deux, ça va lancer pour le 25ème, je pense. Ouais, encore. Attends, elle est où? Ouais, fallait s'arrêter la limite, ouais. Elle est osée, ouais. Marcel qui a perdu ses 5 secondes, du coup, qui ressort en 9ème. Ouais, mais c'est pas grave, il est toujours dans les points. Ouais. Au moins, il a pu pénaliser à la fin sans les 3 secondes par an. Allez, messieurs les softs, faudra être patient. Il n'y avait pas un petit peu de pluie qui arrivait à la fin normalement? Si, si, mais j'ai l'impression que. Ouais, hein, ça se noircit un peu. Est-ce que ça va arriver? Ouais, mais tu crois que. Tu crois pas trop? Bah, logiquement, la question est arrivée. Et je pense qu'il y a des mètres de la pluie un petit peu à la fin, mais elle arrive tard. Hein,
À moins qu'il ait juste mis nuageux, mais... Ouais, aucune idée. Ça serait plus ça, je pense, s'il a remis la pluie, il serait déjà arrivé, je pense. La SC elle pique quand même pour Switchy, parce que, bon... il a combien de secondes, Switchy? Il a que 3 secondes, mais... Il a que 3 secondes, il va falloir pousser, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis derrière, ils sont tous en soft 9. Ouais, ça va, ouais. Faut attaquer. Ouais. Dommage, ça vient gâcher aussi encore sa belle remontée. Ouais. Summer qui, du coup, est plus si Summer que ça, là. Hein. Va falloir, ah, il doit pas être trop serein. Ouais. Ah ouais, va falloir toucher, il a trois boucliers devant lui, derrière lui, mais quand même. Ouais. Il va rester... Ouais, après, on connaît... on connaît le pilote Red Bull, hein. Mr. Jack, pilote plutôt offensif. Oh oui. Donc, ah bah ça pite, pour qui? Leader de batterie. Pas de fun. Spot qui rentre. Ouais, je pense que c'est parce que c'est pilote de l'élite qui veut pas gêner la bataille de la fin, peut-être. Ouais, c'est ça. Pedro qui fait ses CLM. Pedro, si tu pouvais recoller un petit peu plus vite, sauf si t'as un Delta, mais. À ce rythme-là, elle va aller jusqu'au 26ème tour, hein. Ouais. Remarque, vu qu'elle a passé la ligne d'arrivée, c'est possible qu'il ait un Delta, non? Je sais pas. Des fois, t'as un Delta des qui fois, apparaît. Ouais, des fois, tu te retrouves avec un Delta, tu sais. Mais c'est quand tu vas trop vite, quoi. Quand t'es genre là, quand t'es Pedro, là, derrière tout le monde, à rattraper la queue, quand tu vas trop vite, au bout d'un moment, t'as un Delta, je crois. Ok. Tu peux pas aller trop vite non plus. Et je crois que c'est pour ça que t'as un Delta, des fois. Parce que des fois, sous safety, ouais, je me retape un Delta en mode... Ouais, bah ouais. Bon, elle va relancer ce tour-là, de toute façon. On va pas trop, mais... Ouais, ça va rentrer là. Ouais. Et bah, il y aura plus de tours sous DRS, du coup, ça sera au pilotage. Ouais. Alors, attention, j'espère que ça va bien se passer, cette fin de course. C'est toujours difficile à gérer. Voilà, là c'est safety car qui va rentrer. Voilà. Ouf, Mr. Jack qui m'a fait peur. Là. Ça a ralenti devant, il a mis un coup de guidon sur le côté gauche. Il a dit je vais faire les fesses à Spruggy, non c'est bon. Ça serait dommage de casser les ronds à ce moment-là. Ah ouais, bah ouais, ça serait con. Ouais. Du coup il va rester deux tours. Deux tours, ça va être la guerre. Ouais. Attention, on peut être trop gourmand les gars. Non, va falloir être patient, être intelligent. Certes, vous avez des gommes plus fraîches, mais si ça passe pas, il faudra être patient. Ça passe pas. Allez, ce meilleur. Il a relancé du coup, ça y est. Ouais, ça a lancé. Ça a surpris un peu Trashco qui est déjà quasiment une seconde. Hein. Oui, qui a une seconde même. Ah ouais. Ouais. Et ce meurt qui s'en est plutôt bien tiré déjà. Ouais. C'est un Mr. Jack, le premier en soft. Oh, mais Falcao qui est collé à Switchy qui est en train d'attaquer Switchy. Oh, Switchy qui fait magnifique l'extérieur sur. Sur Switchy. Spritzy qui fait l'extérieur sur. Oui, ouais, mais du coup, Switchy qui rattaque. Ouh, attention, contact entre les deux pilotes. Bien récupéré. Mister Jack, pas récupéré. Attention, il y aura plus de SC. Il y aura plus de SC, c'est fini. Dommage, Switchy, Mister Jack. Et du coup, attention, c'est Bero, le premier en pneu soft. Du coup, maintenant, suivi de Dadum, qui est plus loin. Il va aller bouffer son coéquipier. Non, je pense qu'il y a consigne d'équipe là, à mon avis. S'ils sont intelligents, voilà, exactement. Directement là. Et là, faut faire bouclier par contre. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, faut défendre comme un lion, comme dit un certain Fernando Alonso. Oui. Ouais, c'est vrai que là, ça ressemble plus à un chat, du coup. Il se fait manger. Bon, après, Dadoï, Spritzit, son coéquipier, c'est Bero, il est en soft devant, et il est pas non plus trop... On a Falcao aussi, qui est en train de faire une belle course. Oh, mais Falcao, cinquième, oui, de mais de ouf. Oh, non. Arsenal, il est passé où, Arsenal? Ah, il a chuté. Ah, il a c'est glissé. Dur. Ah, il a eu un contact. Avec Fabibou, je pense. Ah, oh, bah, Switchy, t'as eu, bah oui, de toute façon, c'est terminé. Ouais, c'est la guerre, là, c'est un peu de barre.
Chomi, allez, Béro, il peut peut-être aller chercher Trashko. Dernier tour, il y a de la batterie. Oh. Plus de batterie que. Allez, faut tout mettre. Dans le mur. Oh, dommage pour Pilote Alpine, il était bien aussi. Tout seul dans en les points. Plus. Ouais, oh. Tout seul là, ouais, comme un grand. Et enfin, Team Sema, il va aller la chercher sa victoire. Ouais, il va réussir. Et Béro, il va aller chercher. Ouais, ouais. Et attention pour la bagarre au championnat, parce que Dadoy est juste derrière Trashko. Enfin, ah, il est ouais, pas loin, c'est non. Vrai. Choumi qui a passé Johan. Alors, pas de DRS, de toute façon. Donc, non, ça va être à la batterie. Beaucoup de DRS pour Trashko, ça va être compliqué. Ouais, Béro, contre, Béro il en a. Là. Oh là là, ouais, bah, là sur la ligne droite, il va souffrir. Béro, donc, il faut qu'il se recale tout de suite derrière Béro. Ouais. Mais c'est Dadoy qui arrive très fort. Waouh, oh, il y a eu un rollback à moitié. Ah ouais, mais je l'ai pas vu, je suis arrivé, c'était en travers à moitié. C'était... Oh la vache. J'étais pas prêt. Il a vidé le reste auto, Trashko par contre, là, il fera pas se défendre. Ça glisse en plus. Ah, et puis en plus il glisse, ah, non, mais, ouh, attention à pas laisser de la place. En plus, plus ça ralentit. Bleu, a... Ouais, ça ralentit. Ça y est, il est passé en bleu, Dadoy. Oh, aïe aïe aïe. Bon, et bah, hein. Summer, il aura fermé des bouches. Arsenal qui se bat avec Assassin. Assassin ouais. Qui est 8ème, qui a passé toute sa course. Ah ouais, mais de ouf. Derrière, et tranquille, en détente. Ah ouais, et voilà, la victoire de Summer. Il a gagné la course quand même. Je pense qu'il aura pas fallu un tour de plus, hein. Ouais, je pense. On a mis ses limites, ouais. Ça a été limite, je pense. D'ailleurs, il y a eu le DRS en qui arrive derrière, voilà. Victoire de Summer. Devant Béro, ouais. Deuxième. Dadoy, troisième. Trashko, quatrième. Choumi, cinquième, qui a monté malgré son incident tout à l'heure. Johan, 6. Johan, 6ème. Falcao, 7, c'est joli. Falcao, 7ème, c'est pareil. Ouais, belle course. Belle remontée. Fabivou, 8ème. Assassin, 9ème. Max Pot, 10ème. Arsenal, 11ème. Oh, c'est dommage aussi. Pedro qui s'amuse à faire des donuts. Et non, il décidé de terminer en marche arrière. Attention, Pedro, à ne pas crever. Ah, bon, bah, des... Non, c'est... il a passé la ligne, ouais. J'ai il a passé la ligne, ouais. du coup... Et ben, pas type Summer, ouais, ça, c'est logique. Qui on a? On a Choumi, 10ème, Johan. Ah. Je te laisse inviter les... peux... Ouais. Bah, c'est Summer du coup. Ah. Mais sinon on peut... Non, il y a Johan qui est... Ouais, 15ème, de 15ème à 6ème, je pense qu'on peut... Ouais. Bah, écoute, on va faire ça. Je vais inviter tout ce monde-là dans la vocale. Alors, toc. Ouh, cette fin de course. Ouh. Ouais, mouvementé, hein. Ah ouais, très mouvementé. Alors... Qu'est-ce que c'est que le meilleur ? Pénon, 15ème. Béro, il doit être dans le coin normalement. Il est là. On a dit. Alors attends, j'ai Dadoy. J'ai Béro. J'ai pas Summer. Bizarre, normalement j'ai déjà invité. Ah ouais, je l'ai au pire, si t'as besoin. Peut-être qu'il joue en Orim. Attends, je suis en fin de. Non, mais t'inquiète, je vais le chercher. T'inquiète, on va faire ça. Team Summer, non, bon bah attends, j'ai déjà invité ces deux-là. Ouais. Hop, on va chercher. Béro nous a rejoint. Quelqu'un arrive. Bonsoir. 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 Dadoy est là. Bonsoir, bonsoir. Et Johan est Mercé. Je dois l'avoir lui.
Johan. Ah bah non, je l'ai pas. Moi, je pensais l'avoir aussi. Attends. Tac. Tu veux qui? Non, c'est bon, je l'ai. Ah non, c'était Johan qui manquait, il a été élu pilote du jour par nos soins. Oh oui, parce que c'est Summer, mais bon. Oui. Oui, bah. Il y a la Joya qui nous a dit sur le chat, et tout le virage chante, Péro, faites-nous le. Et il y a Shumi qui remercie son coéquipier pour la C. Oh, attention hein, on va sortir l'affaire Renault. Crashgate. Crashgate. Il a cliqué dans la vocale du coup, je crois qu'il y a tout le monde, mais il y a pas Johan. Il manque Johan. Ouais, ça va tonner. Il n'est pas disponible pour le moment, je vais laisser un message. Bon, et bon, on va faire sans. Ben, on va commencer par. C'est Dadoï, troisième, c'est ça? Oui, c'est Dadoï. Je fais tranquille. Juste tu veux, je cherchais le faux showroom vite fait. Ça marche, pas de soucis. Ok, bah bonsoir à toi Dadoï. Et bonsoir à vous les gars. Bien joué pour ta troisième place. Tu vas nous raconter un peu comment ça s'est passé. J'ai vu qu'en qualification t'as eu du mal en Q1 et en Q2, mais la Q3 tu nous as fait un bon chrono. Il me semble, si je me trompe pas. Et un bon départ. Et un bon départ. Cinquième, ouais. Et puis plus rien. Et puis tu vas pouvoir nous raconter ta course ensuite, ouais. Parce que t'as eu quelques péripéties. Calif, je suis un bon temps, j'étais même surpris. Et je pars P5, donc je suis bien, je suis devant Trashco. Après, départ, je fais un bon envol. Mais sauf qu'en fait, vu que Mako elle est limite ce soir, j'arrive au virage 1 et je vois tout le monde avec la croix, je dis, ouais, c'est obligé, je bug. Donc du coup, en plus avec le bug, ça me fait taper l'aileron sur le gars de devant. Et du coup, après, je me jette sur le côté et je laisse passer tout le monde pour pas gêner, quoi, parce que je vois les croix partout. Je me dis, c'est obligé, je bug. Donc je me suis dit, je vais rentrer au stand et puis je vais voir ce que ça donne le reste de la course. Au moment où je rattrapais le gars devant moi, si tu veux, je voyais s'il y avait encore la croix ou si la connexion était à peu près stable. J'ai vu que c'était stable, j'ai dit, bon allez, je continue et puis on verra, quoi. Après, j'espère qu'en fin de course, personne m'a vu bugger. Normalement, je buguais pas, je pense pas. Après, j'ai juste vu un moment, tu sais, sur le 3 de front que t'as fait sur le dernier tour, un mini rollback à moitié sur ta PV. Mais après, voilà, après ça, c'était un court instant. Mais... Ouais, mais faut pas que c'est gêné les autres, quoi. C'est ça, en fait, le truc. Donc, bon, à voir. J'en discuterai au pire un peu avec certains. Mais après la course, j'ai de la chance qu'il y ait les safety cars, quoi, parce que sinon. Sinon, c'est 17ème, merci, au revoir. Donc voilà, après je mets les softs j'arrive à remonter dans le top 5, même 3ème, parce que devant il y a un petit grabuge dans l'avant-dernier tour à la relance. Donc ça me fait gagner 2-3 places. C'était quand même une bonne course. P3, je suis content, quoi, je m'y attendais pas du tout même. Donc ouais. Voilà, bien joué. Non, mais bravo à toi. Et à Béro qui font un bon résultat et puis voilà quoi. Merci à vous pour le live. Non, t'inquiète, avec plaisir. Belle course. Dis, j'ai une question, d'où vient ce baisse de performance dû à ta connexion aussi ou... Parce que début de saison là tu étais bien et là je trouve que depuis 2-3 courses. Il y a un petit trou d'air là. Ah ouais, c'est plus dur ou t'as peut-être un peu moins de temps aussi pour t'entraîner, je sais pas, mais je veux dire. Je m'entraîne peut-être un peu moins. Ouais.
sais pas. Enfin, là, j'ai fait 30 minutes d'entraînement vu après, que je suis pas là la semaine, j'ai fait 30 minutes d'entraînement avant. Ouais. Après, c'est peut-être aussi des circuits que t'affectionnes pas non plus, tu vois. Hein. Enfin, je veux dire. Oui, oui, il y a ça. Et puis, je pense aussi que ben, y a du level, quoi. Donc, oui, bah, ça aussi, oui. Les victoires du début de saison, elles étaient quand même pas facile, et puis ouais, non, il y a du level, hein. Summer, Alcine, Trashko, Bero, enfin tout le monde monte en puissance. Moi j'ai l'impression que Bero il a évolué de fou. Non, mais c'est sans rire, il est sur. Il a rajeuni, Bero. Il approche les podiums. il a rajeuni. Non, mais il y a tout le monde un peu qui push aussi, donc c'est non, c'est. Voilà, c'est. Il a des belles batailles. Il y a eu la pause qui a fait ça aussi, peut-être que ça va aussi renforcer un petit peu et son. Venu d'attaque. Ah, possible, ouais. Ouais, puis le jeu commence, le jeu, tout le monde commence à bien l'appréhender. Ouais, et tout, aussi, donc, ouais. C'est vrai. Non, mais voilà. Mais bravo à toi, en tout cas, c'est bien parce que tu vois. Ça fait des. Parce que t'étais dernier, mais même à la fin, tu vois, au final, t'as su te remobiliser pour finir quand même sur la troisième marche, quoi. Voilà. Bon, en fait, si tu veux, quand il y a la dernière. Safety car, je me vois 7ème, je me dis même si je reste 7ème, c'est tout bénef. Donc en après, j'ai pas pris de risque les deux derniers tours, j'ai dit on va voir ce qui va se passer les deux derniers tours et puis on attaquera s'il y a besoin d'attaquer. Bah, quand j'ai vu que j'étais au cul de Rashko et qu'il était en hard, j'ai dit bon, bah là faut y aller quoi. Et voilà, mais sinon j'ai pas pris de risque après la fin. Quoi. J'étais déjà content d'être P7 à la relance. Oui, d'être remonté et tout, ouais, tu m'étonnes. Donc, ok, bravo à toi en tout cas. Mais bien joué. Ben, merci les gars. On va passer au deuxième ce soir, notre ami Béro. Comment il va, Béro? Bah, bonsoir, ça va. El patron. patron qui nous dit je suis nulle part en calice, nulle part en course, et le deuxième. C'est pas faux. Raconte-nous ta calice. Pour te dire, à un quart d'heure de lancer la session, j'ai testé d'autres régloches parce que. Quand je voulais cette semaine, je me faisais déposer en ligne droite. Et du coup, j'ai gardé mon réglage quand même. Donc, non, bah, qualif, pas détendu de fou. Dans ce que je faisais un peu cette semaine quand même, j'ai réussi à faire mes meilleurs temps, mais je me place P6, ouais, derrière Nadal. Donc, ça va, pas trop mal. Après, dans la course, je m'accroche à ce qu'il y a devant. J'essaye d'éviter les incidents. Il y a un petit accrochage devant, je l'ai vu. Donc, je passe à travers. Ouais, avec Switch. Oui. Oui, ça va être proche. Ouais. Après, bah, du coup, le dernier safety car, je mets les sauts. Je dis, bon, tant pis, je vois Trashko qui rentre pas, Jack qui rentre. Je repars P6, 7, tu repars bien. Repars juste derrière. Je suis derrière Jack. T'es deuxième en Jack. Ouais, je suis derrière Jack. Je battais déjà pas mal avant. Donc, ouais, il y a un peu de grabuge devant. Donc, je profite, je me retrouve derrière Sprit. On a eu une petite incompréhension un peu. Je lui dis va. Et puis, il me dit non, vas-y, passe. Alors, c'est ça. Derrière ce qui. Ça manquait fluidité dans l'action quand même. En fait, moi je voulais rester derrière et doubler plus loin sur le coin droit parce que j'étais un peu loin. Et il me dit vas-y. Alors, du coup, j'ai remis le RS, mais au milieu de la ligne droite. Donc, du coup, ça a fait un peu le bordel l'esprit, je sais pas. Mais je pense qu'en soi, je pense que par contre, s'il a la bonne. Enfin, il a eu raison. Parce que je pense qu'à la réaccélération, il t'aura peut-être gêné avec Serd. Mais il est en médium, Switch. Sprit, j'y étais en médium. Ouais. Donc, et puis après, donc, je me retrouve derrière Trashko. Il y a Dadoï qui est derrière. Je double Trashko dans la ligne droite, je mets tout le RS que j'avais. Et je vois Dadoï qui décale à gauche. Je dis, oh j'ai bugué. Ah, c'est la chicane, j'ai bugué. Du coup, ça se passe bien. Donc du coup, ouais, je vais chercher la P2. Après, ça meurt. Bon, ça va 12 000 à l'heure. Elles sont une tête à trop loin. Il va trop vite. Il m'a doublé, j'ai même pas cherché à défendre quand il m'a passé. Vas-y, va, mon gars. Je te suis comme je peux. Et puis voilà, après, j'ai au podium, puis c'est qu'au fini. Ça a l'air d'être assez propre, avec deux, trois petits trucs. Ouais, bah, les deux derniers tours, on sait que forcément, c'est un peu c'est la guerre. Ouais, c'est un peu la guerre, donc. Un peu dommage.
Mais ouais. Bravo à toi, parce qu'au final, durant toute la course, t'as toujours été dans le bon wagon quand même. Ouais, j'avais pas accroché le bon wagon en fait. Il y a un moment donné, j'ai eu du mal parce que quand Max Pod il double, et puis double Alcine, j'étais à la limite de la seconde, j'étais obligé de taper dans le RS. J'ai dit waouh, puis après je vois Max Pod qui finit, j'ai dit ah bon, ça va, j'ai tapé dedans, mais j'arrive pas à accrocher. Donc, je pense que mon aéro, même si j'avais beaucoup d'aéro, il m'a vachement aidé, j'en revenais super bien dans les enchaînements. Ouais, c'est ça, donc, voilà. Ça aide. Donc du coup, j'étais bien content d'avoir regardé. Et puis, GG à Summer, GG à Dubaï. Et voilà. Bah, bien joué à toi. Puis, merci à vous les petits gars, je regarderai de l'aéro. Ah bah ouais, tu vas voir, on rigole beaucoup. Hein. Ouais, je me doute, avec le clown de service Coro, je me doute. On a eu des moments de fou rire. Ah ouais, il y a un moment, j'en pouvais plus. Je connais un peu la fusée, c'est bon, ouais. Et des moments un peu cocasses, ouais. Allez, bisous et tout, merci. Bien joué. Yes. Allez, on va passer au vainqueur du soir. Je te laisse te faire, Coro. Non, ça marche. Bon, comme tu veux. Vas-y. Ok. Le Summer. Et tu là. Ah. Non, parce que j'ai vu que t'étais mute tout à l'heure dans la vocale, donc du coup, je me suis dit, voilà, on va. Esprit, est celui-là, mais oui, il est bien là. Tellement qu'il va vite, on pourrait se demander comment, hein, s'il est vraiment réel. mais bravo à toi. Alors, par contre, je t'avoue, je vais être honnête avec toi, tu m'as fait énormément rire avec ta Q1. Hein. Ah ouais. Enfin, tu nous, ça fait beaucoup rire, donc tranquille, on s'est pas gêné, mais mais voilà. Donc bon, t'es hard dans la Q1, c'était vraiment drôle. Donc tu vas nous raconter pourquoi. Alors peut-être que c'était pour te faire un delta et tout au départ, et voilà. Mais après tu non, t'es loupé, mais pas du tout. Ok. et après tu vas nous raconter ta course et puis bah ta belle remontée, parce que bah du coup P15, P1, du coup, si je me trompe pas. P16, oui, P16, P1, oui. C'est vrai, exact, ouais. Ouais. Bon, eh ben, écoute, les qualifs, j'avais pris l'allocation des pneus en mélange dur, ce que j'avais pas du tout prévu de faire à la base. Et en même temps que j'ai dit ça, j'étais avec Dadoy en vocal, et il me dit, mets les durs en Q3. Bah moi, du coup, je mets les durs, quoi. Je suis un peu con. Du coup, je fais les Q3, à la fin, je vois bien que bah, je vais pas passer. Du coup, je mets les médiums, sauf que, bah, comme je l'ai dit sur le live, j'ai un peu oublié de mettre le RS. Du oui, coup, oui, mon temps était incroyable. C'est vrai qu'il y avait ça aussi qui était drôle. Donc bah voilà quoi, les qualifs ça s'est vite terminé. Mais je suis triste parce que je pense que j'aurais pu faire un vachement bon temps. Pourquoi t'as pas genre t'avais le temps encore ça. Quand tu t'es rendu compte que t'as pas mis le reste, t'aurais dû rester comme ça sans RS. Et t'avais le temps de retourner jusqu'à la ligne pour relancer, je pense. Non j'avais regardé, mais j'étais à 0,96. Ah le carburant apparente. Ouais. Ouais. Ouais, ça, donc, bref, c'est pas la peine, j'ai abandonné. Mais genre, enfin, question toute bête, mais genre, ton delta il était positif quand même? Parce que je me suis dit, au pire, si t'avais vu en cours de tour j'étais que. J'étais à 3 dixièmes, je crois, secteur 3. Ah ouais, je crois que fin de secteur 2, t'étais à 2 dixièmes et quel, je crois, un truc comme ça de retard. Ouais. Ça me semble okay. De mémoire. Parce que je me suis dit, au pire, ça aurait fait tilt, tu vois, le fait que tu dis merde, c'est pas un sacré tour. J'étais fast la vache. C'était vraiment ce que j'étais en train de me dire en plus. Hein. Mais je me dis mais putain pourquoi j'arrive pas à faire le même temps que Hard. Putain, bon temps hein. Oh la vache. Sacré marque hein bordel. Bon mais... chier. Bon, au final, c'est un incident qui n'a pas trop de conséquences, mais du coup, tu vas pouvoir nous raconter ta course. Ah non, mais ça a été comme ça pendant tout le match. On a eu le droit à Esteban Ocon en Autriche, c'était trop vite. Pardon, je vais couper mon micro, je te laisse raconter ta course. Ok. Putain, mais du coup, je me rappelle plus de ma course. Hein. La course, du coup, je pars en. T'as gagné. T'es toi.
Je le dis, c'est pas possible. Vas-y, je t'écoute. Du coup, je pars en hard. Au départ, je gagne 3 positions. Bon, il y a eu un petit accrochage et tout, mais voilà. Et ensuite, je fais mes dépassements, hein, tour par tour. Je galère un peu au début parce que suivre Johan, mais en hard, ils étaient en soft devant médium. J'avoue que les premiers tours, j'étais un peu en galère, hein, surtout après les voitures de sécurité virtuelles. Là, j'ai complètement perdu mon rythme. En face, ils étaient en médium, enfin devant, le groupe de 5, je sais plus qui, mais. Et c'était très rapide quand même, donc j'ai réussi à rester à 5 secondes avant que tout le monde boxe. La safety car qui arrive pile au moment où tout le monde doit boxe, quoi, donc c'est parfait pour moi. Parfait. Moi je mets les médiums, tout le monde en hard devant moi, donc hard usé. Donc cette situation, je me suis dit, je suis très bien déjà à ce stade, vraiment je pouvais pas être mieux. Et là ensuite je me suis fait un kiff, hein, sur les dépassements. Ouais, c'est puis vraiment, après, par rapport à tes dépassements, t'as une bonne gestion, t'as pris ton temps, t'as pas pris de risque, tu savais que t'allais être plus rapide belle gestion de course après. Hein. Je voulais certainement pas me prendre 3 secondes, parce que surtout en France, c'est facile de se prendre 3 secondes. Oui. Et encore moins casser un aileron vu que surtout je suis en médium, quoi, sur les freinages, je suis beaucoup plus performant que sur les yards. Des fois, je me suis fait quelques frayeurs, mais en vrai, ça. Et ensuite, je pars, j'arrive à m'échapper, et là, la safety car au tour 24, je peux vous mentir que j'ai un peu ragé, j'ai pété le cœur. On a pensé, mais au final, à la sortie de la safety car, t'as fait une grosse relance, et t'as mis tout le crash course à une seconde, ouais. Ouais, j'avoue, je voulais justement le surprendre. Ouais, le surprendre à démarrer tôt, parce que France, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour démarrer, quoi, généralement, c'est à la sortie du virage. Et vu que j'avais des médiums, je me suis dit, dans le virage, je vais pouvoir tenter quelque chose. Donc ensuite, premier tour, j'utilise 50% de RS. Et dernier tour, je vois déjà Béraud qui arrive très vite en soft. Dadoï aussi. Je voyais dixième par dixième, j'ai fait, oh, ça va me le finir ça. Ça va me le finir pour moi. Mais ça va. Je passe la ligne, je me dis, fallait pas un tour de plus. Hein. Un tour de plus et la victoire, c'était mort, de chez mort. Ouais, c'est ce qu'on a dit sur le live, heureusement qu'il n'y avait pas un tour de plus, parce que sinon ça aurait été difficile. Mais en tout cas, bravo. Bravo, bravo, t'as fait une grosse course, une belle remontée, et puis tu viens de faire 3 victoires en 4 Grand Prix. Ouais, merci. C'est pas mal aussi, donc depuis que t'es passé titulaire, donc c'est gros. Propre, ouais. Grosse performance, bravo à toi. Ouais, bien joué. Ouais. Belle trace parfaite. Tu as eu de la chance. Un peu. Il en faut. Ouais. Ça tombe pile au moment, des fois, c'est. Voilà. Il en faut. Ouais. Bien joué, bien joué au podium, bien joué à tout le monde. Un peu compliqué ce soir, mais. Avec le fait de recréer la session et tout, mais voilà, ça. Il n'y a pas de pluie. Normalement, on devait y avoir de la pluie, je crois, mais il n'y a pas eu de pluie finalement. Non, ouais. Je sais pas si t'avais mis un peu de pluie, Béraud, à la fin de. Non, en fait, c'était super compliqué. Ouais, tu m'étonnes. Parce qu'il y avait juste un petit trait de pluie, et après, ça repassait dur nuage. J'en aurais mis un, ça aurait pris. On connaît ça, le petit trait de pluie qui finit demi-heure. Demande à l'élite de la semaine dernière, tu vas voir. Donc, j'en ai discuté avec Raven, mais. J'ai dit, je vais mettre une nuage à la fin parce que il y avait deux nuages et puis au milieu il y avait un petit trait de pluie. Ouais, c'est compliqué après. Donc, c'était compliqué d'aller mettre la pluie à son. Tu m'étonnes. Il n'y a pas assez il y a 3 petites cases au lieu de 7. En plus, ouais. Ouais, donc c'est différent. C'était compliqué, ouais. Non, mais il y avait juste un carreau qui changeait par rapport à tout le reste en fait. Le petit carreau de pluie, quoi. Ça marche. Mais impeccable. Merci à vous les pilotes pour cette course. Merci à toi Kourou de m'avoir accompagné du coup. T'inquiète, avec plaisir, j'ai bien rigolé. Ah moi aussi, parce que. C'était pas le programme de la soirée, mais je suis venu et puis tu vois, je suis quand même content. Tu m'étonnes. Merci à toi, c'est sympa. Non, t'inquiète, avec plaisir. On se retrouve dimanche pour le Coupe Élite en France à 20h45. Et on retrouvera le Coupe Expert. Vendredi prochain à 21h15 à Las Vegas, il me semble. Oui, c'est ça.
tout nouveau circuit, tout beau, tout neuf, tout glissant. Je sais pas si les pilotes ont hâte de rouler dessus, je sais pas. Béro, Sommer, non. Non, non. Ouais, je me reconnais de la réponse à mon avis. Non, non. C'est bizarre, ouais. je m'en doutais un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Bizarre. Non, bah. Donc voilà. Ah. On va vous souhaiter une bonne soirée à tous. Et un bon week-end. Et à bientôt. Ouais, bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Dimanche. Nice.